Ah bah voilà. Ah bonjour à toutes et toutes. Enfin toutes et tous, pardon. J'espère que vous allez bien. Bon, comme promis, là on est dimanche matin, peinard, pépère, pépouze. Avec grand plaisir, on se fait de la PlayStation 2. Alors attendez. Temps, 3 droites. Dites ouais, me mettre en plein écran. Hop là, voilà. Comme ça, je vois mon jeu en plein écran et tout le bazar. What? C'est quoi ce bug? Il me déclare 1 milliard de mondes sur mon chat de chaîne, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, tant que je suis là. Aïe, arrête de vibrer la PlayStation. Arrête, tu me chatouilles. En train de me poser la question que si je fais ça, on voit ça. Ouais, non, il n'y a pas d'intérêt. Non, c'est bien ce que j'ai fait. Je vais pas bidouiller maintenant. Et ben voilà. Tranquillou, comme on dit. Bien le bonjour, bonsoir à toute la compagnie. Voilà. Alors, je faisais des tests pour le son, que ça vous hurle pas dans la tronche. Ah oui, j'ai pigé mon. Oh, tu es bien matinal. Bonjour Olive. J'espère que tu vas bien. Vindu. Laisse-moi deviner, t'étais en train de préparer ton direct à toi. J'ai encore de l'écho dans ma voix. Alors tu sais quoi? J'ai fait des modifications. Mais attends, voir. Déjà, j'ai changé la position de mon micro pour être moins kikiné dans mes manœuvres. Et je l'ai mis au même endroit avec la même perche pour la caméra. En fait, j'ai un meuble qui me tient tendu comme un bras, les périphériques. Le micro et la webcam, c'est pour ça que vous me voyez à peu près proprement, sans qu'il y ait un truc dans mon champ, et ça semble naturel. Mais au niveau de la PlayStation 2 que je capte, j'en avais marre de demander à mon public à chaque fois, genre robotique? Je ne suis pas R2D2. Comment ça, j'ai une voix robotique? Oh mon Dieu! Ma voix est audible quand même. Bah elle est bonne celle-là. Attends voir. Merci hein, merci de ta remarque Olive. Mais normalement je mets pas d'effets spéciaux. Si je fais ça. Ah bah non, j'ai verrouillé mon réglage, justement. Donc j'ai pas de sabotage. C'est bizarre ça. Je suis pas censé avoir une voix robotique. Là, j'utilise justement, j'essaye Streamlabs OBS. J'ai une théorie parce qu'il crache souvent et je me demande si je lance pas trop de logiciels en même temps. Donc du coup, là, par exemple, ce matin, j'ai viré Discord que je retrouve sur ma tablette. Et encore, je pense que j'aurai pas le temps de consulter quand je suis en direct. Mais là, j'ai envie de dire mon grand test de ce matin, c'est voir si jusqu'à 13h, je m'envoie diffuser jusqu'à 13h. Est-ce que le Streamlabs va lâcher quoi? Parce qu'encore hier, il m'a fait un crash. Bah, tant que ma voix reste audible, je te répondrai que c'est l'essentiel quoi. Ça m'énerve de voir le A majuscule dans Rally. On voit que j'ai fait une saisie à la chiasse, à la va-vite. Ça fait pas propre, ça me bouffe. Ah, m'en fous. Attendez, je vais changer le titre du jeu. Ah là 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 là. Bon, avec tout ça, j'espère que tu vas bien, ma chère Olive. Touc! Voilà qui est mieux.
Il y a un doublon au niveau du retour de ma voix. Bizarre. Donc voilà. Mécaniquement, je peux fermer le micro. Basique. J'ai un interrupteur dessus. Là, j'ai plus qu'un micro ouvert sur les deux. Là, normalement, ça doit être mieux. Mais c'est bizarre, j'entends plus le jeu. J'entendais le jeu, je l'entends plus. J'ai lancé une épreuve au pif et normalement j'avais fait mes réglages avant de lancer. Je prends n'importe quoi, je sais même pas pourquoi je me balade dans les menus là, je veux juste le son en fait. Oui, bah oui. Non mais là, en fait l'info que tu es en train de donner c'est que le problème continue. Alors que j'ai fermé manuellement mon premier micro basique, qui est mon micro de secours on va dire. Bon, déjà en fond, vous devez entendre ma musique qui passe en arrière-plan. Ça fait une présence, une nappe sonore, voilà. En dehors de ça, là, le titre du jeu est tellement long qu'on ne voit pas le PS2, il sort de l'écran. Si, on entend le jeu. Bonjour Twinsen, toi aussi c'est bien, t'es un matinal, ça fait plaisir à voir. J'espère que tu vas bien Twinsen. Donc là, on entend le son du jeu. Voilà, bon. Enfin, je peux laisser le truc, on s'en moque. Pourquoi on entend ma voix en robotique en double? 50, long, 4, droite. Je touche plus à mes réglages voice meter parce qu'ils sont bons. Ouais, le son du jeu, je te prie de croire que j'ai pris le temps de bien le paramétrer avant de lancer l'antenne. Mais en même temps, j'ai envie de dire bonjour Fanzi. Bienvenue. J'ai bien c'est le coucou Franck. Alors Franck, c'est bien d'en parler parce qu'il reprendra l'antenne lui en fin de semaine prochaine, ça c'est cool. On a hâte de le retrouver. Le pauvre à mon avis on va l'assommer de questions. Hop là. Oui, mais j'ai les barçons Olive. Mais je trouve ça super bizarre que vous m'entendiez en. Avec un problème au niveau de la voix. Ouais, pour moi, mes paramétrages sont opérationnels. On me dit que j'ai deux applications qui s'accaparent mon microphone. Mais voilà. Ouais, j'ai OBS qui est en cours d'utilisation pour le microphone et Voice Meter. Ouais. Ah ouais. Non, ne m'embête pas. Tu m'embêtes pas du tout. Tu fais bien. Tu fais bien, ma chère Olive. Et merci à toi. Tu ne m'embêtes pas du tout. Justement, j'ai besoin de personnes comme toi pour peaufiner mes réglages et être peinard. Ou alors, attends voir. Où est-ce que je peux techniquement lui dire qu'il ne capte plus mon micro? Attends voir. Ouais, le problème c'est que OBS ne me met pas le. Si j'ai mon microphone mais il est déjà désactivé en soi. Donc c'est pas du côté d'OBS. Attends voir. Non ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Mmh.
Alors attends, ton son sort du casque ou des haut-parleurs? En fait, il sort du téléviseur, mais moi j'ai pas de retour de ma voix sur le téléviseur. J'ai le retour du son du jeu, mais pas le retour de ma voix. C'est séparé, c'est deux canaux sonores séparés. Oui, mais la théorie est valable, que ce soit VoiceMeter en fait. En fait, l'OBS Streamlabs, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit capter de manière indépendante mon micro. Et VoiceMeter le fait aussi, et ça fait du coup deux entrées micro dans OBS qui fait la cuisine et qui vous balance le tout. Le problème, c'est que moi en théorie, ta voix ça passe, c'est pas non plus. C'est léger, ouais. Bah écoutez, j'essaierai de peaufiner, mais il y a des réglages. Je me dis, si j'appuie dessus, je vais carrément vous couper tout le son, ce qui est débile. Parce que si je fais ça, vous allez m'entendre moins. Là, à mon avis, vous m'entendez beaucoup moins. J'essaye un truc. Dites-moi si c'est mieux ou si c'est pire. Comment ça? Ah, donc ça explique en fait. Là, ma voix, elle est mieux ou j'ai baissé de 20 décibels en fait mon entrée voix d'après lui, mais enfin l'entrée voix, c'est pas le bon terme. L'entrée voicemeter. Ah, mais vous avez plus le son du jeu. Merci Fanzi. Ok, ça par contre c'est bon à savoir. Faut que je mémorise. Faut que je mémorise. Bah, vous avez plus le son du jeu parce qu'il y a peut-être plus rien de. Mais c'est parce qu'en même temps je joue plus vraiment. Ouais, vous avez plus les cucu machin, mais bon. Capture vidéo externe. Ah mais là vous avez plus de son du tout. Là c'est mieux ou pas? Sur crête. À tout hasard. Ouais, un léger. Ouais, l'effet voix robotique, merci. 50, 5, Ah, c'est vraiment dur de faire des réglages pile poil pour l'émission. Alors, comme j'ai une petite vignette de retour vidéo, je ne vois quasiment 50, pas ce que je sur fais avec crête. la voiture. C'est Dans un trois massacre. droites. Là, ça a changé un truc. Non, apparemment, vous me dites que tout va bien. Non. Apparemment, que je touche la capture vidéo externe ou pas, ça change rien. Dans 3 à gauche. Oui, c'est toujours changé, le réglage change, mais faut bon. Sur VES, tu dois juste avoir une vue maître de VoiceMeter. 100, Tout 5, est géré 3. dans VoiceMeter. Bah oui, c'est bien ce que je me dis. C'est bien ce que je me dis. Mais normalement, je suis pas censé avoir le symptôme que vous me décrivez. C'est ça qui m'enquiquine bien. C'est ça qui m'enquiquine bien. Éventuellement, ce que je peux faire, alors j'aime pas déverrouiller mes réglages, mais si je fais ça, là je suis dans les effets spéciaux au niveau de la voix dans VoiceMeter. Est-ce que ma voix maintenant a changé? J'ai l'impression que ma voix est beaucoup plus faible et beaucoup plus étouffée. Le son est bien mieux? Ah ouais. Bon, bah je vais rester comme ça. Merci de vos remarques. 50, 3 à gauche. J'ai verrouillé ça et en fait, je mettais Sur un crête. effet au niveau de la voix, mais en fait, je devais pas en mettre. Ok. Bon, bah écoutez, on va faire la matinée comme ça. Je vous cache pas que là, on a fait pas mal de réglages. Mais un grand merci à vous. Un grand, grand merci. C'est cool. Oui, alors Equalizer, t'es vraiment un perfectionniste, mon cher Twinsen. Mais on y viendra peut-être. Mais là, on a envie de jouer un peu. Alors, oui, bah tiens, je vais peut-être continuer la course tout bêtement pour me refaire la physique du Dans jeu. 5, gauche. Alors, 50, donc, long, on 3 est à gauche. susceptible ce matin d'avoir un crash de la transmission en direct. Dans épingle Parce que droite. je suis sur 50, Streamlabs long, OBS épingle qui est pas gauche. stable.
j'ai viré Discord de la mémoire de mon ordi pour voir si j'ai remarqué que souvent Discord plantait en même temps que Streamlabs OBS. Donc le stream, le Discord, c'est pas, je m'en sers pas pendant mon direct, au pire, je le mets sur mon tablette. Mais j'aimerais que jusqu'à 13h, je pense que jusqu'à 13h, j'aimerais ne pas avoir de crash. Au moins, si je trouve la combinaison gagnante pour le logiciel, ce serait bien. Il y a quand même quelques petits gadgets, là, comme vous voyez, comme les émoticônes. Dans long 4, droite, serré. C'est la force focus, mais droite, je m'y refais à cette voiture. 50, long, 5, gauche. Ah non, je peux pas jouer avec les flèches. Je suis obligé d'y aller à la molette. À la et 4, droite, sur crête. La molette, la molette. Dans 4, gauche. Pas mon fort. 50, épingle droite. Je fais des autotamponneuses. Je vais être le plus mauvais pilote de la ligne. 50, long, 3 à gauche, sur crête. Oh là là. Dans 3 à droite. Dans épingle gauche. Ah, ça me fera un tour de chauffe pour mon jeu. Ah, le son du jeu est trop fort. 50, par rapport à long, 4, droite. Ah, attends, je vais te régler ça. Ça, du coup, maintenant, je sais que c'est facile, je sais comment on fait. Vous me l'avez indiqué tout à l'heure. Allez, je baisse de 13 décibels, ça devrait être pas mal. Chmoing. Chmoing. D'ailleurs, je reviens de prendre voilà, mon logiciel pour... Hop là! Là, ça devrait être mieux. Alors c'est d'autant plus agréable que moi ça baisse pas mon volume de retour à moi. Donc j'entends quand même les sons de la bagnole et ce qui aide en fait inconsciemment à piloter, à savoir si on est dans les graviers ou ou X autre information. C'est bien mieux. Ok, cool. Merci Tunsen, merci Olive. Vous êtes des chefs. Génial, merci tout plein. Bon, bah voilà, on va passer une matinée pénard pécouse. Hop là. Alors, que je m'habitue à la... Encore, je sais même pas si j'aurai droit à la Ford Focus. Alors, ce jeu-là, je l'avais fini il y a peut-être il y a 2-3 ans de ça, en la carrière en facile. Et je pense que je vais me relancer dans une carrière en facile. Je referai peut-être plus tard une carrière en niveau de difficulté moyen si je m'en sens capable, assez à chaud. Mais au moins ça vous fera défiler les paysages sous les yeux, tout ce que j'aime là, comme promenade virtuelle. Ça évitera d'avoir une redondance dans les tracés. Ouais, mais c'est alors comme tu dis, une scène par rapport à l'ami Fun Fan et ses diffusions depuis chez lui. Je suis mort. il faudrait carrément être sur place avec lui parce que même s'il me fait confiance pour que je prenne de temps à autre à distance le contrôle sur son ordi pour régler la coulisse de Wisebot et tout programmer pour lui, l'idée en direct de réussir à faire les réglages, encore que c'est pas impossible, mais bon, c'est peut-être, je dis ça, mais bon. Alors pardon, je bois un coup, j'ai plaisir à vous parler, mais ça m'assèche déjà la gorge. Donc j'ai mon café au lait. Ah. Oh, le bonheur. Eh ben voilà, 3, on a installé Peinard, 2, c'est bien. 1, vas-y. Ah oui, c'est la rediffusion. 5, gauche. Oh mon dieu. Bon allez, on va se lancer dans quelque chose de bien plus... Non, je veux pas recommencer la course, j'ai mal cliqué. Sniff. Quitter l'année épreuve. Wally, wally. Ah, qu'est-ce qu'elle fait ma tablette? Elle est en PLS? Que ça m'étonnerait pas.
visiblement elle est en. Ouais, elle est en PLS. Ouais, c'est pas grave. Sans Mac. Alors. Ouais, on va se lancer dans le championnat. Soyons fous. Voyons grand. Le sport automobile de compétition le plus exigeant et stimulant de la planète, le championnat du monde des rallyes. Choisissez les meilleurs pilotes du monde. Ajoutez-y les voitures les plus incroyables. Sur un lit de tarmac, gravier et boue, ne vous souciez pas de la ligne d'arrivée. Votre plus grand rival en course WRC est le temps. Chaque rallye est divisé en épreuves spéciales avec des points au meilleur temps chronométré sur l'ensemble de la course. Les voitures portent le même nom que leur famille de moteurs. Mais sous le capot se cachent des bolides conçus pour les rallyes sur quatre roues motrices avec des turbos gonflés et des chevaux par dizaines. Et c'est bien le minimum pour aborder toutes les facettes du championnat, entre les grands froids des forêts scandinaves et la poussière, sous la chaleur écrasante du Kenya et de la Grèce. En WRC, la question n'est pas de gagner, mais de survivre. Eh ben, sympa les petites vidéos de présentation. Oui, alors je vais mettre novice. Alors, ma tuture. Oui, un côté prestige. Ah, ça y est, on a fait le tour. Ah, petite Subaru. Je crois que j'ai jamais piloté la Subaru. J'incarne qui? Ah, je peux pas incarner beaucoup de monde. Bon, bah, comme j'aime le Japon, je vais incarner Toshihiro Arai. Allez. Il y a peu de rallyes aussi prestigieux et glamour que celui de Monte Carlo, et c'est ici que le championnat du monde des rallyes commence. Il commence à Monaco, puis prend la direction du nord sur des routes alpines avant de redescendre sur la principauté. Il se déroule entièrement sur asphalte, mais la neige et le verglas réservent toujours des surprises. La plus vieille course dans le calendrier du championnat, c'est celle que toutes les meilleures équipes veulent remporter. J'aime bien l'arrêt sur image, direct. C'est tout aussi brutal que le jeu d'hier, là, le off-road. Dès qu'on atteint la ligne d'arrivée, pan, écran noir, le blackout, ça fait trop. Ça fait choc. Asphalte avec un peu de neige en météo, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, bon appétit à Olive qui se prépare son petit déj, elle a bien raison. Et oui, d'ailleurs, tu es une scène, tu fais bonne remarque technique de dire que Vice Meter a plusieurs versions, potato, banana. Moi, j'ai la version la plus simple. J'ai la plus simple, ça me suffit amplement. Hein. J'ai pas besoin d'avoir un studio avec 16, 32, 64 canaux audio. Deux, ça me suffit. Hein. Et encore là, il en gère trois, la version de base en fait. Je peux gérer mes deux micros et le son en lui-même avant de tout balancer. De balancer la sauce. Alors attendez, faut que je réfléchisse. Les réglages de la tuture. Asphalte, mais il y a de la neige. Si je prends sec, je serais tenté de prendre pluie. Quoi? Bah. Ah, c'est pour. Ah, il faut jouer avec. D'accord. Ok. Sur le coup, je comprenais plus, là. Ouais, Potatoes est la plus complète, ouais. Oui. Commencez la course. Alors, vous comprendrez que je vais me concentrer, que je vais me focaliser sur mes étapes, et je prendrai le temps de vous lire dans le chat et de vous répondre quand ce sera le ralenti. Ce qui me permettra d'ailleurs de souffler, moi, au niveau de relâcher la pression. Oui, ça dépend des choses branchées dessus, ouais. Ouais, ça peut vite devenir une sacrée cuisine.
Mais j'ai l'impression que j'ai. Oui, non, mais j'ai mon logiciel de chat qui bug. Il est en train de me faire une liste. D'ailleurs, ça mériterait une capture d'écran. Enfin. Ouais, je pense pas que ça va partir d'ici là, mais. J'ai jamais vu une liste aussi longue de personnes connectées à mon chat, mais ça doit être un bug énorme. Là, il me dit que j'ai quasiment 40 personnes en. C'est n'importe quoi. Bon, bref, peu importe. Ah, l'affichage 3, digital de la Subaru me plaît 2, bien. 1, vas-y! Je suis parti, mon kiki! J'ai merdé mon départ, c'est pas grave. On va 50, peut-être merder 3 d'autres droites. trucs. Dans long 4 gauche. Hop, 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 hop. Je sens qu'il va me falloir un temps 50, d'adaptation 2 droites. Au pilotage de la Subaru. 50, 3 droites. 50, 4 gauche. Et pas là, c'est pas le petit pour le rocher d'opérette et monégasque. De droite. Oui. 50, de gauche. Dans deux droites. Waouh, c'est fait. L'effet sépia me rend fou. 100, ça a jauni tout. Dans c'est beau. 4, 3, ah tu finis dans le filet de sécurité, pas bien. 50, 4 gauche. Dans 4, droite. Oh là là, oh là. 50, 3 à gauche. 50, oh, 3 j'aime droite. Bien ce genre de jeu qui dépayse. C'est cool. 100, 5, j'ai l'impression 3. De faire de la route avec vous. En vrai. Oh là là. Je vais exploser ma bagnole. Pas bien. Ouh, la reprise est pas bonne. Droite. J'ai de la purée de poids sous les pneus. Dans deux gauches. Sur crête. Ah, cet effet sépia de la mort qui tue. Dans cinq gauches. Et cinq droites. 50, deux droites. 150, trois gauches. Attention, virage. C'est beau. Et dire que c'est que le premier opus. Alors j'ai la chance d'avoir les autres opus sur la PS2. J'ai acheté toute la collection, je crois que c'est une trilogie. Sur la PS2, des nouvelles RC. Et je connais que le premier. Quoique j'ai peut-être brièvement fait le deuxième. Mais je m'en souviens plus. Et rien que le premier, il est beau. J'adore. Épingle gauche. Aïe, 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 aïe. Dans long 4, droite. Là, je suis en train de penser à toute autre chose. En observant la neige, je suis en train de penser à un jeu que j'adorais quand j'étais ado qui s'appelle Midwinter, qui joue sur PC, que je considère comme l'ancêtre de Far Cry. Et comme ça Abandonware, je me dis que je pourrais vous le faire un jour à l'antenne. Ce serait bien que je vous le présente, ça me ferait vachement plaisir. Ouais, il faudra que je programme ça, je sais pas quand, dans les semaines à venir. Alors, il resterait plus qu'à régler ta cam et la lumière. Alors, la lumière, figure-toi que là, je suis en éclairage interne artificiel avec ma prout-prout, j'allais dire ma lampe torche. Ma lampe halogène. Et j'ai une lampe d'appoint, si tu veux. En liseuse, ce que j'expliquais hier en USB, qui est pas mal, que je mets sur batterie USB par moment, et je le mets du côté là pour équilibrer en fait ma tronche. Alors je vais pas le mettre parce que je trouve que vous me voyez bien du côté là, vous me voyez plutôt bien, alors que là vous me voyez en un peu trop lumineux, mais je sais pas comment je pourrais filtrer l'intensité lumineuse. Faudrait presque que je mette un espèce de voile, je sais pas quoi. Pour tamiser la lumière, mais bon, je pense que vous me voyez ma tronche correctement. Et puis l'intérêt n'est pas de voir ma tronche, enfin pas principalement, sauf quand on papote longuement. Attendez, je vais mettre le ralenti au lieu de vous mettre un écran de fixe. Voilà, qu'on papote un peu. 3, 2, 1, vas-y. Bah la cam, elle est bien la cam, la caméra, je m'en plaindrai pas, elle est réglée comme j'aime. Je suis content.
Pas besoin d'investir dans une cam, un simple téléphone fait l'affaire, tu utilises droit de cam et tu récupères en temps réel l'image sur ton réseau Wi-Fi. Je veux pas m'amuser à des montages aussi techniques, mais bravo à toi de maîtriser la chose et de... Merci à toi de l'expliquer sur mon chat. Mais non, là, tel que c'est bien. Et figure-toi que la cam, tu parles d'investissement en webcam, j'ai effectivement investi en webcam pour Twitch. Pourquoi ? Parce que j'avais une vieille... Bah, je l'ai pas sous la main, je l'ai rangée. Mais j'avais une vieille Logitech cam, la petite boule, de il y a peut-être 10 ans de ça, le modèle. Et le problème, c'est qu'elle émettait qu'en 640 sur 480. Donc j'avais une tronche en plein écran ultra pixelisée, comme on est à l'ère de la haute définition. Et là, j'ai racheté la webcam qu'elle vend en coupe, là, qui est franco-chinoise, je sais plus quoi. La Urban Factory, là. J'ai la boîte, t'as vu. Je vais pas la saisir, c'est pas grave, mais bref. D'ailleurs, je me demande si on. Je sais plus ce que j'ai programmé. Si on fait point d'exclamation matos, je l'ai programmé chez FunFan, mais chez moi. Est-ce que vous voyez mon matos dans le détail? Oui, voilà. Avec le matos, vous voyez ce que j'ai. Et je crois que je vous balance la. Oui, la webcam, vous voyez. C'est une Weeby Urban Factory. Voilà, voilà, vous avez le détail de mon installation. Et en tout dernier, en bas, j'ai le Elgato Game Capture, qui est la carte de capture d'acquisition à l'intérieur de mon ordi. C'est le matos qui vaut le plus cher, ça vaut presque 200 boules, je crois, ou 150. Dont je me sers pas encore, ce qui est idiot. Mais j'ai bon espoir de trouver le bon réglage pour capter ma PS3 sous peu, dans les semaines à venir. Parce que sous PS3 aussi, j'ai des trésors vidéoludiques à vous faire. Et ça fera un peu moins pixelisé. J'en connais qui seront contents. Ah là 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 là. Ah, Olive qui tue, tu fais chauffer ton lait. je te lis. Alors, Fanzine me dit quoi? Le problème de la caméra, c'est que tu regardes plus le gars qui parle que le jeu. Ouais, ça focalise l'attention. Non mais là où je suis content de mon montage, mon habillage vidéo, bon, évidemment la PS2 c'est du 4 tiers et pas du 16/9, ça permet d'exploiter pour le chat et ma tronche. La config là, ce que vous allez apprécier, c'est pour les jeux d'horreur. Quand vous verrez, évidemment, moi, mon effet de surprise. Et puis, pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que j'ai un faciès assez expressif. Je suis pas aussi expressif qu'un Jim Carrey dans les grimaces. Je m'amuse pas à forcer, je suis naturel. Mais ma tronche, voilà, vous pourriez presque faire des captures d'écran, faire des smileys de ma tronche quand je suis en ah ah ah. Je suis très expressif. Allez, on passe à la suite. Alors, fais pas trop chauffer ton lait, sinon ça fait une croûte dessus, ouais. Commence à être écaillé après. Alors, option. Continue le championnat, voilà. Manquerait plus qu'un fond vert. Eh ben, je l'ai. J'ai acquis un fond vert, mon cher Tunsen. Et à la base... Attendez, pardon, j'entre mon nom. À la base, pardon, j'étais parti pour m'en servir... Et attendez, oh là 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 là. Est-ce que je peux me la péter et j'ai assez de place pour mettre deux Nancy? Ah oui, pile poil. Oh, pile poil. J'ai juste le nombre de caractères requis. Bah tiens, je vais me gêner. Ah non, mince. Oh. Je pensais que j'en avais suffisamment, mais non. Comment je fais pour corriger du coup, comme ça? Ah oui. On va laisser le sage, c'est bien. Ah mince, un caractère près. Oh, je suis sûr qu'il y en a qui se prêtent au jeu, Fancy, de mettre le fond vert avec des fringues vertes. Bah, et d'ailleurs, en parlant des fringues, là c'est un costume d'Halloween que je me garde parce que il tient chaud. Il tient chaud, vous voyez, je peux mettre la capuche. Et... J'en serai au moine. Bref, c'est bien. Alors, je vous avoue que là-dessous, je suis en pyjama, je suis tranquille, peinard chez moi. Mais pour bien présenter, de manière neutre, je mets cette espèce de toge noire. Et voilà.
comment lier l'utile et l'agréable. Wally Wallou. Ah oui, oui, en phonétique, une scène, ouais, le 2 avec le chiffre 2. C'est pas grave, le sage, ça suffit. Oui, en moine. Bah écoute, si j'ai un peu froid, je mets ça pour le... Parce que ça tient chaud, hein, le machin, là, on dirait pas. C'est hyper fin, mais ça tient chaud. Et... C'est rigolo. J'ai presque l'impression d'être un schtroumpf. Je suis le schtroumpf noir. Ah, mais con. Ah là 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 là. Bref. Allez, j'essaie de me concentrer sur l'étape suivante. Alors, faut que je lise bien les infos parce que faut que je prépare la tuture en conséquence. Météo sec. Oh, le tracé très en lacet. Alsfat, clac clac clac. Ok, c'est du sec. Donc, ah bah, il me fait des réglages suggérés. Oh, je me souvenais pas de ça. Ça me plaît bien. C'est peut-être l'avantage d'être en championnat facile. Direction moyen. Tac tac. Oui, ça me plaît bien. Allez, on va faire avec ça. Allez, go. Le père Édouard dans Prisonnier du temps de Tricheton. Alors, j'ai pas la référence culturelle, mais probablement. Ah là là. Hop là. Et le truc qui se balade. Hop. Putain, je vais le planquer derrière. Ça fera plus naturel. Bon, on croise les doigts. Ça fait quoi? Ça fait 40 minutes que j'ai pris l'antenne ou pas loin. Et Streamlabs n'a pas crashé. Vous me voyez encore, ça diffuse. Donc, si c'est ça, le fait que je doive désactiver Discord sur mon ordi tout en utilisant Streamlabs, si la solution c'est celle-ci, j'achète tout de suite. Hein, ça me dérangera pas de virer Discord le temps de mes diffusions. Ce serait cool. Pas mal le départ, pas mal. Beaucoup moins pâteau que le précédent. Faut pas que je me plante dans le décor non plus. Attends, concentration. Je sais pas si c'est vous au niveau du rendu du jeu. Je dis bien le jeu, hein, pas l'ensemble de mon signal vidéo. J'ai l'impression que la luminosité est un poil faible. Par moments, je trouve que ça fait vraiment sombre et j'ai du mal à lire l'image. Peut-être voir si dans les graphiques de la console, je peux pas rajouter de la luminosité ou du contraste. Un petit chouïa plus clair, ce serait mieux, je trouve. Enfin bon, on verra après. Ah, je me disais bien que ma trajectoire était pas propre. Dans 5, droite, 50. Attention, dans épingle droite. Ouh, 50. Oh mon dieu. Gauche. Dans épingle gauche. Hop, 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 hop. Je repense la technique de la coulisse de toujours ma chaîne. Donc la fameuse commande point d'exclamation clip ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, j'en verrai plus tard. De toute façon c'est optionnel, je vais pas m'acharner dessus, mais vous pouvez toujours faire des clips avec le fameux clapet par rapport au signal, clapet de cinéma au niveau du signal vidéo. Mais je suis censé avoir l'option de du déclenchement de l'événement depuis le chat, mais j'ai pas trouvé les bons réglages pour que ce soit opérationnel. Tant pis. Je m'amuserai à ça plus tard. J'ai des réglages encore plus importants à faire dans la coulisse, dans les médias, pour être vraiment opérationnel au 1er janvier prochain. Et que je vous délivre en fait du divertissement de qualité au niveau de la vue technique. Et encore un grand merci à vous tous qui m'aidez chaque jour à peaufiner les réglages. Qu'on puisse passer de bons moments ensemble. C'est beau, le ciel est joli. Oh là là, la PlayStation nous en met plein la vue. Gips. Ah, pour les amateurs de sport automobile sur glace,
En ce moment là doit y avoir eu... j'ai pas regardé d'ailleurs, doit y avoir eu la reprise du trophée Andros, les courses sur glace en France. Bah alors, j'ai appuyé sur continuer ou pas? Ah, voilà. Alors que je vous lise pendant le ralenti. 3, 2, 1, vas-y! C'est un bouquin que j'ai terminé cette semaine, il est vraiment cool. Ah oui, pour l'œuvre. D'accord, prisonnier du temps. Ah, bien. Ou dans la fenêtre de capture. Alors attends, faut que je te reliste une scène. Ou dans la fenêtre de capture... Oui, par rapport à la luminosité, ouais, mais non, ouais, ouais, oui, 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 c'est vrai, à part l'élément dans la composition de la scène, est exact, une scène, ouais. Oui, vous êtes d'accord avec la luminosité? Ouais, bah une fois le ralenti passé, je vais regarder dans l'option déjà de la console, et après je verrai au niveau du... Si, c'est ça, c'est les confitures, c'est la marque. En fait, c'est un championnat sponsorisé par la marque. Les compotes de pommes, ouais, tout ça, ouais, ouais. Et le championnat existe depuis plus de 10 ans, je crois. De temps en temps, je regarde une ou deux épreuves. Normalement, c'est diffusé sur... c'est pas payant, c'est diffusé sur la chaîne 21, là, la chaîne L'Équipe. Ah, peut-être que je me regarde une ou deux 50, éditions cette année. J'aime beaucoup. Temps, épingle gauche. Ah, j'ai une alerte sur ma tablette. Je sais pas si vous avez entendu la petite sonnette de digi digi ding. Ah, il m'indique que je suis en direct. Un petit peu en retard, ma tablette. Un petit peu. Et pas grave. Dans deux droites et cinq gauche. Waouh, ouais, c'est vrai que la vue intérieure, ça en jette. Mazette. Dans 4 gauche. 50, 5 gauche. Ah, relax. Et long, 5 gauche. Ah, c'est beau. Waouh. Ouais, c'est ça leur slogan. Enfin, Android, ouais. Mais c'est, ouais, c'est fort en fruits, là. Je sais plus c'est quoi, mais 3, c'est ça. 2. Alors, continuer le championnat. Où est-ce que j'ai les réglages? Ouais, ok. Bon, là, il sauvegarde. Alors, si je trouve pas l'option dans la console, je vais effectivement regarder au niveau de mon logiciel de diffusion. Bon, là, j'ai les résultats. Non, apparemment, j'enchaîne sans avoir de réglage. Donc, ce serait de la neige. Alors, attendez voir. Que j'essaye sur le logiciel. Est-ce que j'ai des options? Capture vidéo externe. Donc je vais dans les options. Configurer la vidéo. Est-ce que je peux forcer le... Il me dit que c'est en PAL. Ah oui, je peux peut-être forcer. Attendez voir. Luminosité, contraste. Waouh! Ah oui, vous devez voir en temps réel, ça change méchamment. Et le contraste, attendez voir. Je vais peut-être mettre un peu plus. Pas trop, parce qu'il faut pas dénaturer les couleurs, mais... Non, je vais pas rajouter de filtre TwinSen, tu vas un peu trop loin dans la technique. C'est juste dans le traitement du signal vidéo, là, j'ai monté un petit peu la luminosité et le contraste. Donc ça devrait être un peu plus clair sur certains passages, évidemment, sombre, obscur.
Ce sera mieux pour mon confort visuel et probablement le vôtre aussi. Oui, là on voit que ça pète pas mal là, on voit hein, le peu que j'ai mis. Mais du coup, je suis même pas me demander si c'est pas agressif au niveau des yeux. En gros, pour les valeurs, c'est à 128, aussi bien le contraste que la luminosité. Et je suis passé tous les deux de 128 à 150. Et je pense que ce petit chouïa va faire toute la différence dans les passages sombres. J'arriverai mieux à lire. Mon cerveau va pas trop fumer pour se dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Comment j'interprète ça? Ça y est, j'ai déjà pu le détail de l'épreuve. Oui, j'ai bêtement cliqué, je vais... De toute façon, je vais te lancer dans la... Il charge. Allez, Ajak TS, le sort en est jeté. Bah alors, il en met du temps en chargement. Voilà, on y arrive. 3, 2, 1, vas-y. 50, long, 3 à gauche. J'aime bien le copilote. Sur crête, 50, 2 droite. 50, 3 à gauche. Dans long, 3 droite. 50, 2 gauche. Oh. J'ai cru que le virage était plus serré en fait. Mais c'est traître hein, ce genre dans de route en serpent là. Et 3 droite. Dans 3 à gauche. Hop 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 hop, hop 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 hop. Va stabiliser la voiture. 50, 4 j'ai failli parler de la célèbre marque de stylo. Dans long épingle droite. 50, 4 gauche. Alors là où je suis nunuche. C'est qu'à la manette, je reconnais juste le freinage classique. Alors que j'ai la possibilité de faire au frein à main. Mais je maîtrise pas. Je l'avoue. Ce qui est dommage, parce que ça permet de faire des dérapages plus ou moins contrôlés. Hop 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 hop. Arrivé. Déjà? Ah ouais. Je l'avais pas aussi courte cette étape. Bordel, ça caille de ouf chez moi, ça va être long à se réchauffer. Hein? Ah là là. Mais tu petite astuce pour tout le monde. Mais je rebondis sur ce que tu dis, Olive. Dérapage contrôlé dans Verali, Kappa, c'est une vraie patinoire ce jeu, ouais. 3, Verali, 2, je l'ai en plus normalement, 1, mais je l'ai dans les cartons, je vous le ferai pas maintenant, je vous le ferai plus tard. Je me suis fait une petite sélection de jeux là pour les mois à venir. Oui, je pense chauffage. 50, histoire de faire des économies de sous-sous là au niveau du chauffage, parce que ça douille hein, les énergies en ce moment. L'idée c'est les membres et puis la tête. Bon, moi je suis dégarni, mais hop, quand j'ai peur d'avoir froid, j'ai ma coiffe. Alors c'était une coiffe, je montre un peu, c'était une coiffe sanglier, voyez. Et en fait la coiffe sanglier qui est un truc d'Europa Park là, le célèbre, je vais y arriver, le célèbre parc d'attractions à la frontière allemande là. Franco-allemande. Bref, c'est bien pour faire mumus, sympa. Mais quand j'ai acquis cette coiffe, l'intérêt c'est que ça tient bien chaud au crâne. Et puis c'est bête, mais les deux petites pattes du sanglier que je peux presque quasiment nouer, ça tient bien chaud au visage. Donc ça permet de baisser un peu la température chez soi et de se tenir à bonne température, chaud à moindre coût en fait. Et pour les pattes, alors j'ai pas les chaussures et je le regrette. J'aurais dû regarder pour acheter les chaussettes. Je suis acheté les patounes qu'on se déguise en chat. En plus j'adore les chats hein, pour ceux qui me connaissent. Bah c'est tout bête mais... Voilà, vous mettez ça et bah ça tient chaud. Ça tient chaud.
Comme ça, moi, chez moi, je me mets à 16 degrés et c'est la température qui me va très bien pour vivre, 16 degrés. Mais s'il y a un petit coup de froid, que je bouge plus, que je suis plus en mouvement et posé, bah, j'ai ça. Je suis très bien. Voilà. Faut envoyer un exemplaire à FanFan, ouais. Bah, je pourrais le mettre à l'occasion, je l'ai pas là, mais j'ai aussi les oreilles de chat, j'adore ça, Nekonomi. Mais j'ai pensé, alors, le coup, ce que j'appelle ça, des patounes. Vous, j'ai songé à un gage pour plus tard, regardez. 50, de gauche, de droite. Ouais. Hop là, voilà, je vous mets la commande, point d'exclamation, patounes. Et plus tard, ça pourra faire l'objet d'un gage, ce sera rigolo. Parce que essayer de jouer avec ça au clavier et à la manette, c'est très dur, c'est pas impossible, c'est juste très dur. Et ça pourrait faire l'objet d'un gage de votre part à mon sujet qui pourrait être drôle, histoire de, de foutre de la mouise. Je trouve le principe rigolo. Et on est là pour se distraire, s'amuser. Alors attendez, je vous lis. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, patinoire, le jeu. Il faut envoyer un exemplaire. Ah non, ça va, je vous ai bien lu. J'ai l'impression que t'as été censuré par... J'ai le ton message en rouge, Olive, qui tue, mais je vais te lire. J'ai ma combi avec capuche toute chaude. Oui, je sais, quand tu fais ton direct. Oui, c'est très bien, c'est malin. Je me chauffe au bois, c'est mon unique système de chauffage. Et t'as pas de système de thermostat. Ouais, c'est pas évident. Mais c'est bien, en plus, tu présentes bien toute Mimi avec ta combinaison. Mais c'est bien, c'est malin. Voilà, je salue ton... Tu vois, je fais la même technique. Pour à moindre coût, réussir à me réchauffer. Ouais. Ah, t'adores les patounes, Olive. Ah, c'est sympa, c'est mignon. Et ça tient chaud. Je confirme, ça tient chaud. C'est vachement bien. Oh, attendez, je vais faire l'épreuve suivante, là. Je crois que vous avez vu deux fois le même ralenti. Ouais, c'est l'automode. Ouais, faut juste, ouais, autoriser certains mots qui passent pas. Mais je suis passé de extrême. Je voulais l'éprouver, l'automode. Je suis passé d'extrême à minimum. De toute façon, je suis avec vous en confiance. Je me fais pas de soucis. Je me fais pas de soucis là-dessus. Ah, c'est bizarre là. Il me sort une liste de spectateurs qui apparemment sont même pas là. Mais c'est mon logiciel de chat qui bug. Enfin, c'est pas grave. Ouais, faut un modérateur. Bah, quand FunFan est de passage, peut-être que je nommerai plus tard d'autres modérateurs. Il y a l'ami SDR adorable à un moment qui m'a dit, il m'a fait comprendre qu'à l'occasion, il adorait être mon modérateur. Il accepterait de me donner un coup de main de temps à autre. C'est sympa, on verra, oui. En fonction que si ma chaîne arrive à fédérer beaucoup de public et ça devient un peu le bazar dans les mois à venir, oui, bah, je verrai avec vous ceux qui sont les plus fidèles, en qui j'ai confiance. Et puis, quand vous serez de passage, vous voyez qu'il y a un troublion, vous lui mettez la sanction d'être inactif pendant 5 minutes, et puis basta, quoi. Je me fais pas de soucis là-dessus. D'ailleurs, les outils sont très bien faits. Franchement, c'est bien foutu. Alors, attendez. Météo, neige. Ah, 6 bornes. Là, va y avoir de la route. Il dit sec. Ah, je mettrai pluie avec la neige. Je mettrai pluie avec la neige. Je vais peut-être pas boire que du café au lait. J'ai aussi ma bouteille de flotte. Je vais peut-être alterner un peu. Alors, ce que je vous lise. Oui, il est pas réveillé. Oui, FunFan, il est décalé. Il s'endort vers 4-5 heures du mat. Je sais pas comment il fait. Je peux pas avoir ce genre de vie. Moi, ça me rendrait fou. Ça me déprimerait d'ailleurs d'être de vie de nuit. Chez tous les diffuseurs, c'est comme ça, me dit Fanzy. Oui, c'est la recette appliquée de Twitch. Alors, Olive, t'inquiète, j'adore guaquer l'automode en sortant des mots banals, ouais. Ah, le coucou nous dit qu'il est 10h. On pourrit le chat avec ça, lol. Oui, c'est bon enfant, oui. Je vote pour Olive qui tue. T'as bien raison, c'est un bon choix. Oui, je vous lirai après. Ça y est, c'est parti. Oh, j'ai eu un départ mollasson. J'ai pas appuyé sur l'accélérateur assez tôt.
C'est pas la fin du monde, mais... Dans long, 4, 3... Non ! Mais la route pour moi, elle est humide, elle est pas sèche. Mes pneus plus devraient faire effet avec la neige. Comment je me suis planté dans le décor ? Waouh, ça craint du boudin. 50, long, oui, du coup, mon freinage est totalement inefficace. Oh, 50, moi, je considère ça comme une route mouillée. Il y a des moments, je comprends pas le jeu. 50, épingle gauche. Ah, bah alors. La direction qui réagit pas. Je suis tristesse, là, pour cette étape. Sur crête. Je vais faire un chrono catastrophique. Ne prends pas de raccourci. Oups, ça grimpe. Mazette. 50, 3 à gauche. Bah, tu m'étonnes que j'ai 23 secondes de retard. Dans long, 4 gauche. Et là, c'est le drame. J'ai pas de motricité, c'est un cauchemar. La direction, elle réagit plus là, et la motricité, c'est. Je patauge dans la semoule. Et étrange. Épingle droite. Alors là, ça m'incite 50, en fait à laisser les réglages par défaut que me suggère le jeu. Mais. 50, on verra si ça me porte vraiment préjudice ou pas à l'avenir. Mais là, c'est frustrant. 50, parce que je me dis asphalte, il neige, je me dis que la chaussée est humide, donc pneu pluie, pas pneu sec. Et le jeu me punit. 50, de droite. Et beau. 150, de gauche. 200, de droite. J'ai toujours peur en mordant un peu sur le bord de la route, parce que pour peu qu'il y ait un caillou planqué sous la neige, 4, bonjour les dégâts. C'est le détail prêt. Le pire, si j'imagine, c'est de percuter, vous savez, les bonnes vieilles bandes kilométriques 150, en pierre. Alors ça, dans les rallyes, c'est mortel. 50, 4, droite. C'est pire que le balisage dans en bord de route. 4, gauche. Dans 5, droite. Oups. 50, 4, gauche. Bah, pas grave, tant pis pour le chrono, l'important est de participer. C'est beau. Oula, 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 oula là. 50, 5, gauche. Je suis moulu. 100, épingle droite. Ah, soupir. Épingle gauche. Ouh la vache, ça pardonne pas comme descente en lacet là. Waouh waouh waouh. Voilà le rocher en bord de route. Quasiment l'équivalent de la bande kilométrique. T'as, j'ai quasiment une minute de retard. C'est la catastrophe. 50, 4, droite. Dans épingle gauche. Oui, non, n'importe quoi. Dans 5, droite. Et 5, gauche. 50, 3, gauche. Dans long, épingle droite. Et long, 4 gauche. Hop là. Arrivé. Ok. Je repense à une de tes remarques d'hier, Twinsen. La voix de synthèse. J'ai baissé le volume. Au niveau de la commande, je suis passé de 100% à 66%. Donc de baisser d'un tiers, à mon avis. 3, j'y repense spontanément, 2, mais c'était 1, dans le réglage que j'ai auquel j'ai procédé hier soir. 50, 4 gauche. Normalement, je vais faire un petit test, mais normalement ça doit être moins. 4, droite. Ça doit être moins fort.
Émoticône souriant, le tiret bas sage tiret bas de tiret bas Nancy dit ceci, volume de la voix de synthèse correct. Bizarre, il a pas marqué l'intonation interrogative. Dans il a lu comme si c'était une phrase affirmative, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est mieux, hein. Ouais, bien vu, tu une scène, bien vu. T'es un chef. Bah, l'essentiel, c'est que moi, je l'entende, forcément. Puisque l'intérêt, c'est que vous, enfin, surtout la modération, puisse m'interpeller. Quand je suis trop concentré sur le jeu en question. T'es bien, Wisebot qui fait son taf. Vingt-huit cyberspectateurs ont reçu des bergas. Ah oui, non, il y a bien 28. J'ai pas 28 spectateurs quand même. J'y comprends plus rien. Attendez, je vais regarder mon compteur en temps réel. Attendez, je fais une petite transition. Non, on est en petit comité restreint, on le voit en bas là. On le voit, non, pardon, on le voit là. Là. Bizarre. Bizarrerie de Twitch. 50 sur crête. Enfin bon. Oui, vous êtes 3 cyberspectateurs. En plus, j'ai le message juste après en textuel dans le chat. Donc, 150, de gauche. Pourquoi il me dit que j'ai 28 cyberspectateurs qui ont reçu de la monnaie virtuelle? Enfin, des points de fluidité chaîne. Bizarre. Ah là 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 là. C'est rigolo parce que je trouve que dans l'interface du jeu, par coup de bol, ça intègre bien mon habillage à moi. Il y a le chrono de l'étape qui est juste en dessous du titre du jeu, je trouve ça extra. Un total. Tu voudrais que ce serait confondu avec le nombre de personnes qui suivent la chaîne, le fameux follow. Bizarre. Enfin, ça a que peu d'importance. C'est juste que c'est surprenant, quoi. C'est la première fois que... Oulala. Impressionnant, la sortie de route. C'est juste que c'est surprenant le fait de prendre l'antenne. Et moi, dans mon retour de contrôle, l'écran secondaire, généralement, j'ai une petite liste. On est en petit comité. Et là, j'ai le truc qui sort de l'écran. Donc, j'ai un listing de fou. Enfin, bref. Oui, oui, alors Twinsen, tu me vois en train de faire des habillages différents pour tous les jeux à diffuser. C'est pas qu'en plus comme si je changeais régulièrement de jeu. Je suis déjà content de vous programmer au poil de cul, pardon, j'aime bien l'expression, mais au pixel près, le bazar, l'horloge, machin. Et je vous fais des scènes, j'essaie de bien cadrer, que ce soit lisible et correct. Alors l'idée de faire carrément des scènes par jeu... J'ai plus de vie, Twinsen. C'est pas possible. Ah là 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 là. Encore, je peux comprendre. Je pense à certains diffuseurs qui font un bel habillage avec des éléments graphiques en thème par rapport au jeu. Parce que c'est des jeux qui diffusent régulièrement et sur une longue période. Donc ceux qui s'acharnent à faire du speedrun, voilà, oui, le ralenti est fini. Faire du speedrun ou un jeu qui est long, quoi, dans la durée, par rapport à un scénario, ça demande 60 heures de jeu. Je comprends qu'on fasse un habillage dédié et tout, mais je m'amuserai pas à ça, moi. Je vous le dis tout de suite. En plus, j'ai même un peu peur, vous savez, au niveau des droits d'auteur, des images. Je vais pas. C'est tout bête, mais même les polices de caractère, songez-y, les polices de caractère que vous voyez, j'ai pris soin de vérifier en les téléchargeant et en les testant qu'elles avaient le statut de libre d'exploitation, même pour une utilisation commerciale, puisque c'est sous-entendu avec Twitch, avec les abonnements, les dons, on est à cheval sur les...
cette définition-là, l'idée d'avoir un revenu. Donc, normalement, je suis complètement réglo au niveau des... au niveau des droits d'utilisation. Les sons, pareil, hein, je le rappelle, ce que vous entendez en arrière-plan de musique, c'est mes compos à moi en tant que disque jockey, là, ce que je fais depuis 20 ans pour m'amuser, pour mon plaisir. Mais les sons aussi que j'intègre, les commandes sonores, c'est par exemple l'orage. Pardon. Voilà, l'orage qu'on entend, ça fait partie de ma banque de sons dont j'ai acheté les droits. J'ai le droit de composer avec les sons-là, les musiques-là. Là, c'est des petits effets spéciaux de sons. Je me suis amusé à intégrer dans, pour, voilà, pour vous, qu'on s'amuse avec les sons sur la chaîne. Donc, je me fais pas peur avec les droits d'auteur, tout ce qui est droit à la copie. Alors, Alsfat Sec, ouh, elle est longue l'épreuve. Elle fait quasiment 8 bornes. Je laisse les réglages par défaut du jeu, histoire qu'ils ne me pénalisent pas de manière gratuite, fortuite. Oui, t'aimes bien, Olive, l'habillage. Merci, graphique. Ouais, ouais. J'essaie de faire de mon mieux, merci. Je suis ravi que ça vous plaise. Alors, Fanzy, tu me dis quoi? Oh, Fanzy, je le fais pour moi, je le fais pour tout le monde. Alors, en même temps, en essayant de faire un truc de correct, je pense à la postérité, dans le sens que tous mes directs, je les archive. Là, vous avez généralement, j'ai activé l'option de Twitch. 15 jours, ça reste en rediffusion accessible VOD, vidéo à la demande. Mais après, je vous mets ça dans la semaine qui suit. En général, les directs, je vous les dépose sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez paisiblement les retrouver. Oui, bah oui, la sanction est lourde après, donc ce serait dommage d'écoper d'une interdiction d'émettre pour un truc aussi bête, quoi. Temps, long, 4, droite. 50, 4, gauche. 50, 3, gauche. Oui, et bah voyez, je trouve que c'est pas mal l'idée d'avoir augmenté le contraste et la luminosité, vous savez pourquoi? L'effet neige, en fait, je le trouve vachement éblouissant et ça fait réaliste le fait d'être ébloui par la neige fraîche. Je trouve ça excellent du coup, je trouve que ça fait crédible. Quitte à ce que ça pique un peu les yeux, mais ça fait réaliste. La paquette, la paquette. Je me voyais pas taper la rambarde. Et 4, droite. Oh là là, c'est du technique. Et le tracé est vachement long. Dans 3 à gauche. Sur crête. 50, long, épingle droite. Bips. 50, très long, 4 gauche. Mince. Ah, oh, pas que je me marre, je vais faire des bêtises. Moi, oh, je l'adore, son très long. C'est beau. Long, 4 gauche. Dans 4, droite. Et long, 4, gauche.
50, 4, 3. Dans long, 4 gauche. Vous voyez, je suis concentré, je dis plus rien. 3 à gauche. Mais ce qui est bien, c'est que mon chrono est dans le vert. Donc si je peux rattraper un petit peu la casse de l'étape catastrophique précédente, c'est cool. 50, long, épingle droite. Non ! Mais non ! 50, 4 gauche. En train de m'encastrer à la rambarde. Dans 2 droite. 50, long, épingle droite. Arrivé ! Ah, bien ! Ah, correct. Ouais, correct, en plus. Oh la vache, la portion que j'ai fait à moins 8 secondes, bien. C'est cool, ça. Bizarre, j'ai une douleur à l'épaule. 3, 2, alors, 1, que je vous lise. Vas-y. Oui, en fait, Twinsen, il y a un décalage. Il est volontaire entre ce qui se passe en temps réel sur le chat et ce qui se passe au niveau signal vidéo. C'est moi qui ai mis volontairement, c'est délibéré, un décalage du signal vidéo de 5-6 secondes. C'est si j'ai vraiment un problème, ça me laisse le temps de réagir. Pour moi, ça me rassure de me dire que hop, je peux censurer un truc ou couper le signal s'il y a quelque chose qui dérape méchant ou qui va pas. Mais ouais, non, mais là c'est un décalage maîtrisé en fait. Et là, la pression retombe. Adieu. Ah. Et B. Il a dit oh, oui, il y a certains plans, c'est vertigineux. Ah, parmi vous. Je repensais à une remarque d'SDR précédente. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à ce que je fasse des jeux d'horreur? Seul, je vois pas spécialement l'intérêt. J'en ai déjà fait 2-3, mais bon, sans plus. Par contre, l'idée de faire ça avec du public, je trouve ça vachement marrant. Et puis, je me sentirais... Ouais, t'es pour, Liv? Ouais. Toi aussi, Fanzi, ouais, t'es pour. Pardon, mais le pseudo Fanzi, quand je le dis oralement, ça me fait penser à nos jours heureux, là, Happy Days. C'est pas le roublard à la... Je sais plus, à la... En manteau de cuir qui se prénommait Fanzi. Je me trompe peut-être, hein. Ça me rappelle la vieille série américaine... Ah, c'est pas le même, pardon, d'accord. Ah, tu fais référence à un autre Fanzi, ok. Lui, c'est un imposteur. Belle réponse. Je comprends. Allez, un direct sur le démineur de Windows. Alors, tu rigoles sur les petits jeux Twinsen, mais je serais capable de vous faire un truc du genre avec l'excellent jeu de cartes.
PySol, qui veut dire en fait Python solitaire. Python pour le langage de programmation dans lequel le jeu a été programmé. Mais en fait, c'est un ensemble de jeux de cartes comme le solitaire, voilà. Vous pouvez même jouer au tarot, je crois. Vous avez en fait plusieurs centaines de jeux de cartes incorporés dedans. Et ça aussi, je pourrais un jour vous en faire une démonstration pépère pendant une heure ou deux. Voilà, tu rigoles avec l'histoire du démineur, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, je vous le ferai, je sais pas quand, mais je serais content de vous présenter le logiciel. Et puis en plus, c'est gratuit, c'est libre. Si vous êtes programmeur, vous pouvez aller dans le code source et faire votre version à vous. Cool, j'ai gagné l'étape. Oh, vous avez vu les chronos? François Delecourt qui me gratte d'une demi-seconde, même pas un tiers de seconde. Non, j'ai chu au pied du podium. Énorme. Oh là là, c'est génial. C'est génial. C'est bien, je remporte des points, va. La Suède est certes le pays du soleil de minuit, mais les températures peuvent descendre jusqu'à moins 20. C'est l'étape suivante du championnat du monde des rallyes. Les conditions dans les forêts scandinaves sont telles que les voitures doivent être équipées de pneus cloutés pour affronter les couches de neige et de verglas recouvrant les graviers. C'est le circuit le plus froid de tous, mais la compétition est toujours enflammée. J'aime bien les courses sur glace. Là, je vais m'épanouir avec la Suède. J'aime bien. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, solitaire, spider, ouais, le coup de l'araignée. Attendez, je regarde rapidement les réglages. Cours, tac, 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 tac. Freinage. Ouais, c'est vrai qu'un dur est pas forcément bon. Par contre, la direction, j'aimerais l'avoir rapide. Hop là. Qu'est-ce que je disais? Oui, jeu libre, Python solitaire. Oui, et puis comme c'est un jeu gratuit, je pourrais vous mettre le lien, la référence, le lien de téléchargement sur le Discord. Donc, pour ceux qui sont de passage et qui veulent essayer, vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour l'installer chez vous. Il y a des petits trucs comme ça, je pense que je ferai des saisons de découverte. J'exclus pas non plus. Alors, c'est pas un objectif, mais j'exclus pas non plus en qualité de technicien informatique de profession. Peut-être que si plusieurs d'entre vous sont motivés à être formés sur un seul et même logiciel, peut-être qu'il m'arrivera, dans de rares sessions de direct, de faire un moment formation en disant « Vous êtes tous là, vous êtes intéressés, et je vous fais une démonstration d'un logiciel et je vous explique comment ça marche. » Peut-être, hein. Mais ce serait possible. 3, 2, 1, vas-y. Ah oui, je sens que je vais prendre mon pied. J'adore les courses sur glace. 50 sur crête. 50, long, 3 à gauche. 100, 3 à droite. 50 sur crête. Dans long, 4 gauche. 50 sur crête. Dans 4 gauche. Oh, c'est toujours aussi beau. Dans 4 droite. J'ai pas freiné suffisamment. Je pensais que j'avais. 2 droite. J'avais fait le nécessaire, 50, mais non. Très long, 4 gauche. Je me voyais pas taper aussi violemment. Sur crête. 50 sur crête. Dans trail, on prend bien la trail. 50, de gauche. Sur crête.
dans 3 droites et 4 gauches, dans 3 droites, 50, attention, saut. Attention les amortisseurs. Long, 4, gauche. Ouais. 50, attention, saut. Encore ? Oups. Arrivé. Ah, ça va. Ça va, j'étais tranquille. Oh, le bruit de la glace était vachement réaliste. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Mmh. Ouais, j'ai un petit peu merdé au milieu du parcours, mais bon. Ah, génial. Ah, là. Là, la Scandinavie, je vais savourer, je vais pas bouder mon plaisir. Alors que je vous lise, pardon. 3, 2, 1, vas-y. Lui, il livre le courrier. Il a crevé les 4 roues, t'as mis 4 galettes, ouais. Tu as mis les pneus imposés par le gouvernement. Ouais, c'est ça, les pneus à clous, ouais, ouais. 130 avec des chaînes, on dirait Pierre et Sylvain. Vide brequin. Alors, je n'ai pas la référence, mais pourquoi pas. 50, sur crête. Oh, il y a des petits gels d'image. Mais c'est la PlayStation en fait, j'ai l'impression qu'il gèle, non? Ou c'est mon émission de Streamlabs OBS, bizarre. De toute façon, je reverrai, je remettrai le ralenti en semaine et puis j'arriverai à avoir le coup d'œil pour ce qui va pas au niveau technique. On verra après. C'est des youtubeurs qui parfois testent des trucs débiles comme rouler à 130 avec des chaînes. Ah, c'est ce qu'on appelle les jackass en anglais, je crois. C'est des casse-cou, ouais, qui font des trucs pas intelligents. En mettant parfois en danger leur propre vie et la celle des autres. Je cautionne pas ce genre de contenu. Ah. Alors, la suite. C'est moi ou il n'y a plus de Zik? Ah non, mon lecteur Winamp continue à jouer des trucs. Non, j'entendais plus en fait, je dois être dans une... Ouais. J'entends même plus le volume de ma zik, mais c'est pas grave. C'est pas l'essentiel. Neige, neige, neige. Allez, si je fais pas l'idiot, je la maîtrise celle-là. Ouais, enfin des fois, il y a des trucs intelligents. Non, ils font attention quand même. C'est pas comme les jackass. Là, ils ont fait ça sur un circuit. Ah! Bien! C'est bien. Ah. J'aime bien le smiley renversé qui sourit, c'est rigolo. On se retrouve comme ça. Bah alors, on met du temps à charger d'aussi beaux décors. Allez, 3, concentration. 2, 1, vas-y. Ah, j'étais à fond les ballons là. J'ai encastré la pédale d'accélération symboliquement. 5, 3. Pop, 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 pop. Je me laisse encore surprendre par le poids de la Subaru en fait. Habituellement, je suis habitué moi à la Toyota Celica, c'est une voiture que j'adore.
et là en fait la Subaru fait son petit poids et je me fais avoir par l'inertie en fait. Il faut vraiment que je prenne mes repères avec ce bolide. Ce bolide de légende. 50 sur crête. Instinctivement, j'essaie de voir le sud de la route. Je bouge la tête comme un ego alors que je fais face à un écran. C'est dire à quel point l'immersion est réussie. 50, très long, gaz gauche. Qui n'a pas fait un jeu de rallye en vue cockpit et qui a essayé de voir ce qu'il y avait devant son capot en se levant devant sa télé? Franchement, qui? 50, ça m'est arrivé 50 fois, ça. Non, il était hyper brouillon ce freinage. Je m'en veux. Pas bien. 50, très long, de droite. Très long. 100, 3 à gauche. Sur crête. Attention, saut. Oh, ça va, c'est correct. 50, 3 droite. Le premier saut de l'étape précédente était beaucoup plus abrupt. 50, sur crête. 50, 2 droite. Et 2 gauche, 50, 3 droite. Arrivé. Ouais. Ah, correct, ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, je continue à vous lire avec grand plaisir. 3, 2, 1, vas-y. Alors, c'est le souci de la RAM sur les anciennes consoles. Oui. Non, je m'en plains faussement, TwinSen, du temps de chargement. Parce que je suis bien content, hein, que ça marche. Et franchement, je sais que là, la PS2, elle fait bien son taf. Alors, Fanzi, on est tous pareils. Moi, une fois en faisant ça, je me suis cassé la gueule. J'étais assis sur mon lit. Oh merde. J'espère que tu t'es pas fait mal. Oh, c'est con. Oh mince. Madieu. Alors, je peux vous en raconter une bonne anecdote de vie authentique. C'est, alors il y a peut-être 10-15 ans de ça. En fait, j'étais invité chez ma frangine et mon ex-beau-frère. Bref. Et donc c'était soirée famille, amis, vraiment la bonne ambiance. Et ma frangine, elle est fortiche pour faire tout ce qui est apéro dînatoire et cocktail. Et bref, la soirée se passe super bien et tout. Et le lendemain matin, donc j'étais hébergé par ma frangine. Je suis un matinal, donc contrairement à eux, moi je suis premier levé, je savais que j'avais les 2-3 premières heures de la journée où personne ne serait venu m'enquiquiner. Et ma frangine adorable qui me dit « Frangin, tu te sers dans le frigo, vas-y, tranquille, pépouse, fais comme chez toi. » Et à l'époque, bah, je crois d'ailleurs que je sais plus si c'était la PlayStation 1 ou la 2, enfin peu importe, c'était Verali. Et je commence à me faire mes petits chronos, machin, tranquille, le dimanche matin. Et puis, je dis, oh mince, je me suis pas servi à boire. Et puis, je vais chercher le jus de fruits dans le frigo. Je continue mon jeu, mais plus je joue la même étape, ça se détériore. Je commence à faire des sorties bien larges au niveau des virages. Deuxième essai, je finis carrément à faire du hors-piste. Je dis, oh là, je décline en performance. Troisième essai, je pars carrément en tonneau. Je dis mais oh là là, j'arrive même plus à maîtriser le jeu, qu'est-ce qui m'arrive, la fatigue, je comprends pas. Et en fait, ma frangine qui se réveille et puis qui fait une descente dans le frigo, qui me dit frangin, tu as carburé à quoi ce matin au petit-déj? Bah au jus de fruits. C'était le restant de punch. C'est dangereux, sans le savoir j'étais en train de m'alcooliser. Donc en fait je suis visé par complètement pimpette et puis voilà, du coup contre-performance. Ah là 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 là. Et la preuve que je tiens pas du tout l'alcool. Parce que j'avais dû prendre quoi, peut-être deux verres, deux trois verres, mais des verres standards quoi. Mais ça m'a complètement torché.
Alors, neige. Oh! C'est de l'endurance! 12 km quasiment. Waouh! On va en avoir plein la vue. Non, c'est ça le danger. C'est que j'ai pas senti qu'il était un peu fort. Je le buvais quasiment comme du vrai jus de fruit. Je reconnaissais qu'au palais, je me souviens au goût, il avait un goût assez particulier. Mais ma frangine est fortiche. Elle a dû, tu sais, un peu le contrecarrer l'effet acide de l'alcool avec de la cannelle ou je sais pas quoi. Elle maîtrise très bien. Ou peut-être du lait, n'importe quoi, je sais pas. Mais ça se buvait vraiment comme du jus de fruit classique. C'était super bon. C'est juste que je me rendais pas compte que je buvais de l'alcool. C'est traître, hein. C'est vraiment traître. Non, tu me saignes. Non. Non, je cautionnerai pas le fait d'être pimpette et de prendre l'antenne. Pas avec moi. Là, c'était un accident dans mon anecdote. Ah là 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 là. 3, 2, 1, vas-y! Alors attention, là j'ai quasiment 12 bornes. Vous allez voir du pays. 50, 4, droite. Dans 5, gauche. 50, 2, droite, sur crête. Dans long, 4, droite. 200, 1, gauche, sur crête. Je fais trop de zigzag. J'ai du mal à stabiliser l'axe de la voiture avec la gâchette. 150, de droite. Dans deux gauches, sur crête. 50, très long, 3 à gauche. Je me lasse pas du très long. Serré. Vous voyez, c'est le genre de son qui me fait marrer. Je pourrais l'isoler dans le... et en faire un son pour la chaîne. Le très long, il me fait vraiment marrer. Ah, oh, superbe. Puis c'est malin l'effet de brouillard avec la neige, parce qu'en fait c'est d'autant d'éléments dans le décor à pas calculer à l'avance, et la console reste performante graphiquement. Dans de gauche, 50, attention, tour devant. 50, épingle droite. C'est drôle de dire chaud devant dans un pays scandinave. 50, sur crête. Merde! Faut que j'arrête de dire des bêtises, mais non! Mais non! Ah, ça m'apprendra! Dans 4 gauche! Oh mince, j'étais parti pour faire quasiment l'étape de la perfection! Dans 2 droite, 50, 2 droite! Dans 4 gauche! Bien fait pour ma gueule, comme dirait ma maman! Dans 5 gauche! Long, 4 gauche! Sur crête, dans 3 droite. 100, 2 gauche, sur crête, dans 5 droite. Et 1 gauche. 50, attention, tour devant. 50, épingle gauche. Ah, j'ai freiné tardivement. C'était juste, j'ai failli aller au contact. 50, 4 gauche, attention, sur crête. Dans 5, droite. 50, tour devant. 50, long, 3 à gauche. Vache. Alors, le saut là, je me suis laissé surprendre. 50, sur crête. 50, 4 gauche. Ah oui, on voyage, magnifique. On 50, traverse tout un bois là. Tour devant.
temps. Attention, tour devant. 50, 5, gauche. Dans 5, droite. Sur crête. 50, 5, droite. Dans long, 4, droite. Et 4, gauche. 200, de gauche. Ah, pas évident. 50, sur crête. Laisse, en difficulté maximale, ça doit être sacrément éprouvant. 50, 4, il faut apprendre par cœur la partition et la jouer sans faute. Je reconnais que l'exercice a du mérite à être exécuté avec classe. Et 5, gauche. 50, de droite. Dans de gauche. 50, ah, je viens de te lire brièvement, ouais, Olive Kitu, oui, tu t'es acheté le 50, mode anniversaire 5, de Skyrim. Ouais, très beau jeu. 100, tes pigeons. Sur crête. Bah écoute, si t'en as pour ton argent et que t'es gagnant au contenu, c'est bien. Faut savoir se faire plaisir aussi. Arrivé. Ouais. Normalement, j'ai remporté l'épreuve, hein, parce que je me suis promené. Hein. Ouais. À part mon Henry de... Allez, pas que je me moque. 3, ouais, j'ai changé 2, un peu, je vais prendre un peu de flat 1, là, au lieu de prendre du café au lait. T'as bien raison de t'être fait plaisir, ouais, ouais. Ouais, ça te semble intéressant. Mais ce qui est dingue avec Skyrim, c'est que j'avais commencé, je crois que j'ai fini même deux fois la quête principale sur PC. J'ai commencé l'extension avec les vampires et je me suis arrêté parce que je manquais de temps. J'avais plus le temps de jouer et du coup j'ai oublié. Donc pas que je recommence depuis. Pas que je recommence un jour depuis le début. L'île du nord de Morrowind, là, dans Skyrim, je sais pas comment elle s'appelle. Je l'ai pas faite, l'extension là non plus. Et il paraît que c'est magnifique. Donc c'est bien. Ce sera de la pure découverte quand je vous le ferai potentiellement en direct, on verra. Si je vous le fais en direct ou si je vous le fais en saga, c'est-à-dire que je joue peinard dans mon coin, mais je vous déposerai tous les épisodes sur ma chaîne YouTube. On verra. Là en ce moment je suis embêté sur l'opus précédent qui est Oblivion. Oblivion que je découvre. Et là j'ai des pépins techniques. Je sais pas si je vais pouvoir reprendre ma saga dans les semaines à venir. Ça me fait suer. Enfin je verrai. De toute façon j'ai bien vu dans les stats qu'elle est pas regardée pour le moment, donc ne fais pas plus de soucis que ça. Je sais qu'il n'y aura pas de déçus. À part moi, mais tant pis. Alors, je t'ai déjà demandé, mais je sais plus si tu m'as répondu. De tu droite. Utilises quel émulateur? Je n'utilise pas d'émulateur. Dans c'est la PlayStation authentique, mon cher Fancy. C'est la véritable PlayStation. J'ai eu la chance d'acheter à l'occasion. C'était mon seul achat sur eBay. Je l'ai acheté, si ma mémoire ne me trahit pas, je l'avais acheté en 2010, je crois. Il y avait un lot sur eBay très intéressant dans ma région où le gars il vendait deux PlayStation 2 et une centaine de jeux pour un prix de vente franchement dérisoire. Je crois que j'ai acheté le lot à peine 200 euros. Et le gars justifiait en disant je vais passer la bague au doigt à madame. Et elle m'a dit c'est soit elle soit les jeux. Donc évidemment il a vendu ses jeux et bravo à lui. Donc depuis il a dû fonder une famille. Demain je lui souhaite à l'intéresser. Et moi bien content. J'avais tout un carton de jeux pas chers PlayStation 2 que je vais vous faire là. J'ai à peine joué à une dizaine depuis. Ça me fera du contenu voilà pour la chaîne et passer un bon moment avec vous. Du coup j'ai même 3 PlayStation 2 en fait. Parce que j'en ai racheté une autre plus tard, je sais plus pourquoi j'avais une idée en tête.
Pareil pour une bouchée de pain, j'ai acheté ça à un beau copain que j'ai rencontré en formation informatique. Du coup, j'ai la chance d'avoir les trois exemplaires de la PS2 dans des couleurs différentes. Celle qui fonctionne, là, que je suis en train de regarder avec admiration, c'est la noire, j'ai une grise et j'ai une bleue. Donc, ce qui est rassurant, si je devais avoir une panne sur une de mes PS2, j'en aurais au moins deux de rechange. Ce qui fait que de la PS2 avec moi, vous allez en bouffer dans les années à venir. Oh, bonjour Aréoster, j'espère que tu vas bien. Tu vois, je suis matinal à la fraîche. Hein. On est en Scandinavie. Le froid, ça conserve. Ah là là. Non, non, donc pour te répondre, Fenzy, pas d'émulation avec moi. C'est vraiment la console d'origine. Et je fais de la captation. Je fais de la captation. Mais oui, mais je veux bien, merci. Merci. Ah là là, c'est bien que t'ailles bien, Aéroster. Ouais, c'était bien, t'étais sur Don't Starve Together avec les amis hier. J'ai regardé d'un œil, c'était sympa. C'est un jeu que je connais juste de nom, mais j'aime bien la patte graphique et la perspective dans le jeu. Il a le mérite de se distinguer déjà rien que pour ça. Il a son charme, comme on dit. Ah. Oh, il se passe un truc, j'ai entendu un jgling, je sais pas ce que c'est. Mais merci à l'intéressé. Je vais peut-être avoir une alerte sous peu qui va se déclencher, on verra. Ah, tu m'héberges. Merci Aéroster, c'est apprécié. Merci tout plein. Oui, je pense que l'alerte va se déclencher en plein écran pour le... Je sais plus si j'ai fait le relais de chaîne en alerte, mais l'hébergement c'est différent. Je sais plus si j'ai une alerte hébergement. On verra. Si elle doit se déclencher, elle se déclenchera en plein écran. Ne fais pas de soucis, mais j'ai l'info dans mon chat, c'est bien. Dans mon retour, c'est cool. 3, 2, ah, alors 1. Attends, le ralenti est fini, mais je vais te lire Twinsen. Tu fais un témoignage de vie. J'avais gagné 2 PS4. Wow, ça vaut le coup. À des jeux radio, j'ai réussi à les revendre au prix du neuf. Oh, 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 tu es malin, tu es malin. Tu vas démarrer ton direct au calme. Ouais, c'est bien. Oh, c'est gentil. Oui, t'es pas obligé de garder une page ouverte pour les stats. Tu fais comme tu le sens. Mais bon direct à toi, Olive. Bisous tout plein. Bah d'ailleurs, je sais pas. Moi, je me vois arrêter à 13h. Donc, si tu es encore à l'antenne au-delà de 13h, je me ferai une joie de te faire le relais de chaîne. Bon jeu à toi. Fais-toi plaisir. D'ailleurs, n'hésite pas à annoncer le jeu que tu penses faire, si tu l'as en tête, si c'est les Sims ou je sais pas quoi. Je t'invite à l'annoncer dans mon chat, hein. Moi j'ai rien contre ça. Si éventuellement dans le public il y en a qui sont intéressés de te suivre là maintenant, faites-vous plaisir. Moi je cherche pas à m'accaparer tout le monde. Je veux que tout le monde qui me suive, ce soit pour le plaisir. Voilà. Vous prenez pas la tête, on est relax. On est baba cool. Donc je dis peut-être à tout à l'heure, ouais, à plus Olive. Peut-être que j'aurai plaisir à déjeuner en ta compagnie. Moi je couperai vers 13h tout à l'heure. Bon jeu, bon direct à toi. Skyrim, ok. Oui, bah voilà, que ceux qui sont intéressés par Skyrim d'Olive, n'hésitez pas à basculer sur sa chaîne. C'est toujours cool. Je comprends que certains puissent en avoir marre du rallye. Hein. C'est particulier. C'est un genre vraiment. J'ai presque envie de dire un genre de niche. Pour reprendre les termes d'entreprise et de marché. Voilà. Il est en train de me charger l'étape suivante. Voilà, cool. Concentration. Alors, j'ai pas regardé la longueur. Je crois que ça faisait 6 bornes. 3, conventionnel. 2. Vas-y. Allez, concentration. Dans de gauche. Dans, attention, saut devant. Yep. Oh oui, je vois pas la route. 50. Oui, il est beau celui-là. 50. Long, 4, droite. Dans, attention, saut devant. Waouh! Waouh! Oh oh! Long 4, droite.
Sympa le saut. 50 ah, sur crête. Me suis embourbé. Dans bah. 5, gauche. Pourquoi les vitesses passent plus? J'ai bloqué la boîte de vitesse, dis donc. 50 sur crête. Ah, joli valet encaissé. On en a plein la vue. Dans un gauche et un droite, 50, épingle gauche. 50, ah bah alors, on voit bien la suite du 50, tracé. Attention, saut devant. Alors ça, c'est technique en vrai, parce qu'on a vu le virage en épingle avec le début de la côte. C'est-à-dire qu'il faut bien doser son énergie et sa vitesse emmagasinée pour bien passer le virage et pas faire une sortie, mais conserver de la motricité et de l'inertie pour pouvoir amorcer la côte le plus rapidement possible. Ça, c'est très technique en rallye. 150, 4, droite. Hop. 50, là c'est presque pareil, ça fait toboggan dans mais inversé quoi. Faut faire de la grimpette. Attention, oh ça c'est traître. Ah les sorties 50, de sommet de côte. Hop 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 hop. Je suis en train de basculer 4, en mode Paris-Dakar, là c'est pas bien. Faut que je reste sur le tracé. Dans 5, droite, 50, épingle gauche, sur crête. Bon, ça va, pour le moment c'est correct. 50, attention, saut devant. Dans 4, droite. Et 4, gauche. 50, attention, saut devant. 100, sur crête. Arrivé. Hop là, voilà. Ah, bien. Ouais, il y a juste le secteur 4 où j'ai très légèrement... j'ai presque tout dans le vert. Franchement, j'étais pas loin. Cool. 3, 2, 1, vas-y. Mmh. En fait, quand tu dis ma boîte de vitesse a lâché, Fanzi, c'est que... Alors, je joue en auto, hein. Je me la joue vraiment baba cool. Je suis pas en mode manuel. Mais là, j'ai dû la reprendre à la gâchette en manuel parce qu'en fait, elle s'est bloquée dans le premier rapport. Mais c'est bien, ça fait réaliste. Non, elle a pas cassé. Elle a pas véritablement cassé. J'ai pas perdu de vitesse. Disons qu'elle s'est grippée. Elle s'est. Ah, c'est un entre-deux. Attention, saut devant. Dans long. C'est ça, joue en auto pour un jeu d'auto. A tout compris. 50, sur crête. Bah, à l'époque où j'avais la chance d'avoir le volant pédalier, évidemment, je jouais en manuel. J'avais tout intérêt à jouer en manuel. Ça permet de maîtriser davantage le bolide et de faire des performances qu'on pourrait qualifier de remarquables, du moins potentiellement. Après, tout dépend du pilote. Mais là, non, pas prise de tête. Je suis avec vous, on est dimanche. Tranquille. Une grande récréation. Voilà. Ah, voilà. C'est presque dommage qu'ils aient changé la vue. Ouais. Là, on le voit bien avec leur cul. Ça monte à mort. Et sacré côte. 3 droite, 50, attention, saut devant. Dans bah. Long, 4 gauche. Ah, il y a des sauts, ça a un coup de se faire déjà des bleus au minimum, mais carrément des contusions au niveau du bassin. S'ils ont beau avoir des baquets de course dans les vraies voitures pour leur confort et leur performance, mais... D'ailleurs, pour l'anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais champion du monde historique, il fait partie de l'histoire du sport auto, maintenant c'est sûr, il a gravé ses lettres de noblesse. Sébastien Loeb, avant d'être pilote automobile, il espérait faire une carrière d'athlète, mais d'athlète gymnaste. Et en fait, cette préparation de gymnaste l'a aidé pour le côté éprouvant et très physique des rallyes automobiles. Donc je pense que maintenant, au niveau des coachs et des écuries de rallyes automobiles, il y en a pas mal qui doivent copier et se calquer sur le fait de préparer l'athlète, le pilote, comme un gymnaste,
pour qu'il soit bien prêt physiquement et mentalement. Mais voilà pour l'anecdote. Ça m'a marqué quand j'avais eu l'info. Je me dis, tiens, c'est très intéressant comme parcours. Et sacrée reconversion. Hein. Sacrée reconversion. Alors, sec, neige, 8 bornes. Moi, ouais, ça a l'air gentillet comme tracé. J'aurais pas la prétention de dire que je vais me promener, mais ça va pas être oppressant pour moi. Ah, bonne course à toi, Twinsen. À plus, merci d'être passé. Bon week-end à toi. Ah là 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 là. Et j'ai toujours une liste interminable de... Il me déclare une trentaine de spectateurs alors que vous êtes qu'un petit comité de 2-3. C'est les mystères de Twitch. Aïe 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 aïe. Je sais plus ce qu'il y a après la Scandinavie. Il doit y avoir un autre pays européen mais plus sec. Ah, ça y est. Oh, de nuit. Dur. Ouh, c'est ce qui fait toute la difficulté de l'étape. Vas-y. Bonne course, Fanzi. Merci d'être venu, à plus. Long, de gauche, serré. Ouah, ça en jette, là. La concentration est requise. Il me fait peur. Alors, je vois que mon téléphone portable dans mon angle mort est en folie. Donc, pardon, mais jetterai un petit coup d'œil à mes SMS qui sont sûrement familiaux durant le prochain ralenti. 50 sur crête. 150, comme en général, je prends des nouvelles de ma famille le dimanche en début d'après-midi 50, par téléphone. J'ai peut-être des infos fraîches, spontanées qui me sont données. 4, mais bien évidemment, je resterai en votre compagnie à l'antenne. 50, très long, 4, d'ailleurs, il est fort probable que je rediffuse aussi encore cet après-midi pour le plaisir. Je connais pas encore mes horaires, hein, mon avis, je ferai un truc du genre 15h30-18h. Et pour l'après-midi, 18h, je vous ferai un relais de chaîne chez l'ami Bambastos qui débute dans la diffusion Twitch. Je crois que ça va être son 4e direct. Histoire de lui faire de la pub. Et puis moi, ça me permettra de me garder un peu de temps en fin de journée pour faire mon ménage et autres tâches. Pour préparer ma semaine tranquillou. Et j'ai un peu de vaisselle en retard d'ailleurs. 50, épingle droite. Donc. Mais je suis content, c'est un week-end de détente, sachant que le week-end dernier, 200, j'ai complètement 5, bossé samedi, droite. Dimanche. Là, le fait de pouvoir me détendre avec vous tout le week-end, ça me fait un bien fou. Ça va 50, me recharger 5, les batteries et avoir de l'énergie positive pour la semaine à venir. C'est une vraie thérapie ce Twitch, j'aime bien. C'est fait pour moi, c'est le fait de faire mumuse et de papoter en même temps avec les copains, j'adore le principe. Eh, je m'en sors bien vu mes chronos, même si je joue en facile. Ouais, technique le virage là. Il y avait une légère inclinaison. Ah, il est 11h. On a interdit le coucou. Temps, long, droit, droite. Alors, le coup de l'hébergement d'Aeroster tout à l'heure, je suis en train de reprendre conscience que j'ai pas eu d'alerte en plein écran. C'est pas la fin du monde, mais je sais plus si j'ai une alerte pour l'hébergement. Faut croire que non. Ou alors, il y a eu un bug. Ça peut se produire aussi. Alors, pardon, je vais me permettre de regarder d'abord mes SMS.
Et après, je vous lis dans le chat. Pardon, 30 secondes. Effectivement, petite nouvelle de la famille. Voilà. Hop, c'est répondu. Tac, tac, tac. Donc, je vous lis pendant le ralenti. Ouais. D'accord, tout le monde qui souhaite bonne course à Fanzi. Ouais, c'est bien. Il a bien raison. Ouais, du coup, mes courses, je vais les faire demain après-midi. D'ailleurs, il faudra que je me griffonne une liste, un mémo, parce que je serai capable de louper des articles dont j'ai besoin. Il faudra que je me fasse ça déjà tout à l'heure, la pause déjeuner, si j'y pense. Que je sois pas déçu en me disant mince, j'ai oublié d'acheter ça, j'ai oublié d'acheter ça. Ah, joli rendu de luminosité avec les phares. Dans la vue aérienne, là aussi ça fait réaliste, j'aime bien. C'est beau. Alors je sais pas si on est au crépuscule ou si on est à l'aube, mais classe. Le ciel est joli en orangé au loin. Yeah. Ah, l'immersion est réussie, hein. La vue intérieure cockpit ou là celle qu'on a eu caméra juste devant capot, c'est vraiment prenant. Youp là. Ah, il y a un petit peu de clipping. J'ai vu quelques sapins apparaître subitement là, par la magie du démon, on le voit un peu. Mais ça va, c'est du clipping maîtrisé. Donc ça fait pas trop brouillon. Ouais, non, c'est correct. Ça dépend des plans. Voilà, et là, non, c'est l'arrivée, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, le ralenti est terminé. Alors, est-ce qu'on est encore en Scandinavie ou est-ce que j'ai fait les 6 étapes? Il y a 6 étapes, je crois, par... Ah non, c'est que la troisième. Oh, on est qu'à la moitié. Oh, bah on va encore bouffer de la neige. Pour mon plus grand plaisir. Non, épreuve 5. Oh. Résultats finaux du rallye. Bah alors c'est la fin. Je croyais qu'il y avait 6 étapes par... Bah j'ai gagné. Non bah alors on passe au pays suivant. Bon je suis gagnant, c'est cool, je vais pas me plaindre. Du coup je remonte dans le championnat. Deuxième place, c'est tout bénef. Ah intéressant. Où qu'on va? Portugal. Lorsque le championnat du monde des rallyes débarque dans le pays le plus occidental d'Europe, toute la population prend son temps pour le regarder. Le championnat du Portugal se déroule principalement sur route de gravier au bord de la côte. À chaque virage ou ligne droite, les pilotes évoluent devant une foule de spectateurs. Ils s'agglutinent sur les bords de la route, débordant souvent sur la route elle-même. Le Portugal n'a peut-être pas révélé beaucoup de champions de rallye, mais le circuit est une réussite. Ouais, ça fait peur quand il y a des attroupements du public comme ça. Oui, malheureusement, il y a des drames par moment.
sur certaines éditions. Bon, je laisse les réglages par défaut, puisque la dernière fois que j'ai voulu modifier un truc par déduction, il m'a puni, donc je me pose même plus la question de quels sont les réglages. En mode facile, il me les propose optimo. Chargement. On y croit. Ah, Wisebot fait son bavard. Ah oui, là il me dit qu'il y a 28 cyberspectateurs. Bref. 3, 2, 1, vas-y. Alors, au revoir la glace, bonjour la poussière. 150, attention, saut devant. Dans de gauche. 50, 3 à gauche. 50, très long, 3 à gauche. 50, 3 à droite. 50, très long, 3 à droite. 100, 3 à gauche. 50, très long, 4, droite. 3 droite. Dans 3 gauche, 50, 3 droite. Dans long, 2 gauche. 50, très long, 3 droite. Sur crête. 100, attention, saut devant. Hoppa, j'ai touché. 3 gauche. 50, 3 droite, sur crête. Dans long, 4 gauche. N'importe serré. Quoi, oh là là. J'aurais 50, dû lire la route mieux que ça au niveau du relief. Je me suis fait avoir par un 50, effet cuvette. Sur crête. Dans 2 droite et 4 gauche. 50, 2 gauche. J'ai l'impression que mon copilote me parle de politique quand il me dit de gauche, de droite. Alors que c'est le rapport de vitesse qu'il faut avoir et la direction dans laquelle il faut braquer. Vous l'aurez évidemment compris. Arrivé. Ah, je trouve que je m'en sors bien, même si j'ai commis la grosse faute de taper là, quand j'ai râlé. Bon, ça va, je devrais quasiment me promener tout le long du championnat, apparemment, c'est bien. Oui, il faudra que je francise, je l'avais dit hier, je l'ai toujours pas fait. De franciser le fameux terme level up, là, pour ceux qui sont fidèles à la chaîne, et je vous en remercie. J'aime pas les anglicismes, ça me bouffe. Il faudra que j'écrive niveau supérieur à la place. Ou niveau de fidélité supérieur. Histoire de bien faire comprendre à quoi ça correspond. Ah, punaise! Même une scène, je suis impressionné. Qui a déjà le niveau 28. Eh bien, merci de votre fidélité. C'est pas mal la subtilité de Wisebot. Il met en grâce ceux qui sont encore en train de me regarder en direct. Et ceux qui sont déconnectés depuis en normal. C'est bête, mais c'est une information en soi. 4 droite. Oui, voilà. Ouais, faudra que je termine de franciser tous les termes pour le 1er janvier, que j'ai plus ça à faire, et puis ce sera bien.
Ouais, je crois qu'il y a 250 phrases qu'on peut intégralement modifier dans les répliques par défaut de Wisebot. Bon, faut prendre le temps de, relire et de modifier à sa guise. Et c'est bien d'ailleurs qu'il laisse le choix. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, faut, voilà, c'est de l'artisanat, mais j'ai presque envie de dire de l'orfèvrerie, dans le sens où bien prendre le temps de faire dans le détail, au caractère près, un truc propre, nickel chrome, et puis une fois que c'est fait, c'est tranquille. C'est bizarre la vue du, de la voiture sale en vue aérienne. On a l'impression que mon pare-brise est brisé en fait. Mais c'est la crasse. Mais le rendu donne l'impression que j'ai explosé mon pare-brise. Neuf bornes. La question, ouais, à quoi je jouerai cet après-midi, je sais pas. Est-ce que je vais pas faire peinard le fameux casse-brique? Il m'avait bien plu le casse-brique hier sur la PlayStation 2, là, le Bust Block. Je sais pas, je verrai. C'est ce qui me passe en tête là dans l'immédiat, mais on verra. Ou peut-être que j'essaierai peut-être le jeu PC, je reviendrai sur PC faire du Duke Nukem 3D aussi éventuellement. Je vous ferai bien l'épisode à la Maison Blanche. Ouais, je vais peut-être faire ça, je sais pas, on verra. 3, 2, 1, vas-y. Ce sera mon plaisir de l'après-midi. 50, de gauche. Dans long, 3 droite, sur crête. Dans très long, 4 gauche. En ce qui concerne Duke Nukem 3D, donc j'ai terminé récemment l'excellent cinquième épisode pour l'édition 20e anniversaire, fait par les créateurs originaux en fait. Le cinquième épisode qui est le tour du monde de Duke Nukem, un régal. Franchement, c'était l'éclat total. L'ambiance, les musiques, c'est une perle, un bijou. Et j'avais rediscuté avec mon public et en partie avec FunFan. Il m'a avoué, j'étais surpris, il jouait sur console avec du Duke Nukem 3D. Il a jamais fini l'épisode avec Bill Clinton et la Maison Blanche. Et pourtant, c'est un excellent épisode. Donc, je me suis dit que tiens, là, avant les fêtes, je me le ferais bien volontiers. Et moi, ça me rappellera toute ma nostalgie de l'adolescence. Parce que là aussi, je compte pas mes heures à jouer à Duke Nukem 3D. Et surtout quand j'ai eu la chance de maîtriser l'éditeur de niveau qui était incorporé à je sais plus quelle édition. Je me suis éclaté comme un malade. D'ailleurs, pour encore une anecdote de vie à vous donner, toujours d'ailleurs en lien avec mon ex-beau-frère, quand il a fait construire sa maison en vrai, en dur, hein, je parle dans la vraie vie. Quand il a fait construire sa maison, mon beau-frère, il m'a demandé à ce que je l'aide à calculer les proportions de ses pièces par rapport à ses plans. En modélisation 3D, j'ai utilisé l'éditeur de niveau de Duke Nukem 3D, en fait, pour faire une représentation de sa future maison. Et vachement pratique. Et en fait, il a pu déceler quelques défauts au niveau de sa conception de maison et de corriger sa copie en se disant tiens mince, mon garage il est trop grand, je vais peut-être mettre la chaudière là, des trucs tout bêtes hein, qu'on fabrique sa maison en vrai, et ça aide. Et c'était donc l'éditeur de Duke Nukem 3D.
Et les textures de l'époque, même si c'était loufoque pour une maison à la française, ça suffisait amplement pour se représenter, de dire tiens, ça c'est la porte de garage, ça c'est la porte d'accès au KGB et tout le bazar quoi. En fait, on a détourné l'utilisation du logiciel pour le loisir pour faire quelque chose de concret. Voilà pour l'anecdote. Alors, je vais m'envoyer des fleurs, mais je m'auto-congratule à réussir à séparer mon cerveau en deux lobes, comme c'est le cas physiquement. Mais j'ai un. Enfin, en hémisphère, on va dire. J'ai l'hémisphère droit pour vous faire la causette et rester concentré dans mon propos. Et j'ai l'autre hémisphère où j'arrive à jouer instinctivement. Je m'étonne moi-même. Et mon résultat est pas trop dégueu. Donc, je suis content de pouvoir. Réussir à me prêter à l'exercice. Voilà, il fallait que je le dise pour que j'explose ma bagnole. Bien fait pour ma gueule. Ouais, et puis là, elle a pris cher. Ah oui! Heureusement que c'est l'arrivée. Oh oh oh! Je sauve la mise. Oh, le châssis, je l'ai. Oh là, je l'ai explosé. Je l'ai explosé. 3, 2, 1, vas-y! Alors, je le répète au niveau technique de la chaîne, j'émets depuis 9h du matin, là, je crois, en gros. J'ai pris l'antenne à 9h. J'émets depuis le fameux Scriblabs. Qui est inconstant chez moi. Il saute souvent. J'ai viré ce matin Discord. Je l'ai désactivé. Donc il n'est plus chargé en mémoire en tant que processus dans mon ordi. Et ben, il est fort de constater que mon signal est stable. Ma diffusion n'a pas sauté. Donc il faut que je retienne que quand je diffuse en Streamlabs OBS, et je pense que je garderai ça pour les captations extérieures, tout ce qui est console. Il faut pas que j'ai le navigateur d'ouvert et pas Discord d'ouvert. Il doit y avoir des conflits au niveau ressources où ils se bouffent la tronche et ça explique pourquoi j'ai des bugs et des crashs de l'application. Donc c'est un très bon point. Et de facto, quand je diffuserai sur ordi un jeu PC, je suis en train de me dire je me condamne à l'OBS, mais attendez. Mais rien ne m'oblige à mettre le navigateur et le Discord. Donc cet après-midi, en fait, je vais faire le même test, mais depuis le PC. Enfin, pour un jeu PC. Je vais rester sur Streamlabs OBS, voir s'il est stable et si c'est bien la condition qui fait que ça saute, le fait qu'il y ait navigateur et ou Discord. Bah, la solution est toute trouvée, en fait. J'aurais plus de bugs, il faut que je m'en tienne à pas lancer trop d'applications en même temps sur l'ordi. N'hésitez pas, pour ceux qui sont diffuseurs et qui m'écoutent, n'hésitez pas à prendre note de mes observations, histoire que ce genre de mésaventure vous arrive pas chez vous, au niveau de votre canal Twitch. Ça a visiblement son importance dans les conflits entre applications. Le 2 gauche ou le 2 droite, ça y est, ça me bouffe maintenant. J'ai l'impression qu'il me parle politique. Bon. Ah, belle vue. Le plan me plaisait bien là. En profondeur, c'était pas captivant, c'est pas le bon terme, mais on avait l'attention qui était happée par la profondeur du paysage. Très bien. C'est beau. Et les sons sont vachement réalistes. Hein. J'attire votre attention sur le son. Tout à l'heure en Suède, j'avais eu un dérapage sur la glace. C'était vachement réaliste. Dans 3 à gauche. Sur crête. Dans. Attention, saut devant. Et par moments, au loin, il y a l'hélicoptère qui me perturbe. De voir l'hélicoptère, ça. Brrr. Élément perturbateur par moment, ça.
Ah, la faute. Aïe, aïe, aïe. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Mais bon, bon. C'est pas la fin du monde. Mais du coup, je suis surpris. Aerostar, tu diffuses pas aujourd'hui? Je crois que t'as pour habitude de diffuser le dimanche. Ou ma mémoire me trahit. Je sais que ton jour de repos, c'est le mardi en ce moment. Enfin, pardon, je suis peut-être en train de t'obliger à faire une saisie clavier. T'oblige pas à me répondre. Hein. Si t'es occupé à autre chose. Mais ça me tilte. Sachant que t'es mon dernier intervenant dans le chat, du coup, je repense à ton planning à toi de diffuseur. Gravier sec, moins de 6 bornes. C'est ouais, c'est pas mal en presque en lacet. Bon, va falloir être prudent. Et B. J'ai la pression de voir le ravin en arrière-plan. Le dénivelé est vraiment abrupt. On voit qu'on est dans les montagnes. Dans 3 à gauche. Et 3 à gauche. Dans 3 à droite. Sur crête. Et 2 gauche. Dans 4 droite. Et... 50. Long. 2 droite. Du coup, comme on est au Portugal, j'ai une pensée pour les Portugais. Par rapport aux terribles incendies qui les ont affectés là il y a un an, deux ans, je sais plus au niveau de la temporalité. Mais ça me fait mal au trip de me dire qu'ils ont perdu des bois. Ils se sont retrouvés complètement calcinés, et malheureusement les victimes. Ah, virtuellement parlant, c'est une belle vitrine pour le Portugal, ce jeu. Moi, ça me donnerait envie de m'y promener en vrai. 50, attention, dans 2 droite et 3 à gauche. Arrivé. Wouh. Ah, je pense que je m'en suis bien sorti. Ah ouais. J'ai un petit intermédiaire qui est un peu dans le rouge, mais sinon je suis dans le vert. Ben, c'est cool. C'est tranquille, pépère. 3, 2, 1, vas-y. Ah, je vois des noms de pseudo. Certains d'entre vous sont vachement inspirés pour leur pseudo, hein, c'est rigolo. Bon, je les nommerai pas à l'entête pour leur discrétion, hein, je vais pas m'amuser à ça, mais... D'ailleurs, il y en a certains, j'essaye de faire le raisonnement de comment vous en êtes arrivé à vous composer votre pseudo.
Il y en a qui ont de l'humour, il y a des bons trucs, je lis des choses marrantes. C'est bien. Du ralenti pour revoir un peu de flotte. De page. Et de gauche, dans 4, droite. Spectacle. Attention, dans deux droites. Il y a je sais plus quelle étape, un autre pays scandinave, ça doit être la Finlande, je crois. Il y a une étape qui est célèbre en fait parce qu'il y a à un tiers du parcours ou deux tiers du parcours, je sais plus, je crois que c'est vers la fin, il y a une portion vertigineuse. D'ailleurs, là aussi, c'est des étapes cultes de rallye. Il y a des gens, je me demande pourquoi, et heureusement, mais j'ai toujours peur des accidents. Vous avez une descente, mais vraiment en tremplin. C'est presque un saut dans le vide. Et au niveau de la perspective, alors faut voir comment c'est filmé. Mais vous avez une petite maisonnette en bois sur le côté. Et vous avez l'impression que les bolides, par moment, pourraient se louper, être hors trajectoire et atterrir sur le toit de la bagnole. Sur le toit de la bagnole. Sur le toit de la maisonnée. L'espèce de maison de bûcheron. C'est une étape qui est célèbre. Je peux pas donner le nom, je l'ai pas en tête, mais je l'avais déjà vu à la télé et je sais qu'elle avait été modélisée dans un de mes jeux de rallye, peut-être celui-ci. On le verra. Si ça me tilte, ça me vient à l'esprit au moment de passer sur ce passage-là, je vous en reparlerai. C'est à couper le souffle. Quand vous êtes spectateur, c'est à couper le souffle. Vous voyez les bagnoles arriver et carrément sauter dans le vide. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas des bagnoles qui ont fini à plat avec l'essieu et le châssis qui explosent. Tant que c'est une cascade de films, mais en vrai, c'est impressionnant. Wouh ! Concentration. Oh ! On dirait qu'il y a un léger brouillard ou c'est... Oh, c'est traître comme configuration. 50, très long, 3 droite. Ah, l'hélicoptère qui me rend fou. 50, de gauche. Dans 3 droite. 50, attention, tour devant. Dans 4 gauche. 50, 4, droite. 50, 2, droite. Dans 2, gauche, sur crête. 50, 3, gauche, serré. Dans épingle gauche. 50, épingle droite. 50, 3 à gauche. 50, 3 à droite. 50, sur crête. 50, 2 gauche. Et long, 4 gauche. 50, 3 à droite.
50, 4, 3. Ah, il y a de la poussière qui vole. Ça va, c'était pas trop corsé, mais à chaque fois je suis un chouïa dans pas mal d'épreuves d'avoir tout dans le vert et de vraiment performer. T'ajoutes toujours un chouïa, il me manque 2, une petite seconde 1, d'avance et puis vas-y. Mais ce qui est cool avec cet opus, ce premier opus de WRC, donc sur la PS2, hein, vous le voyez pas parce que là c'est tronqué tellement que le titre du jeu est long. Il y a beaucoup de contenu pour ce premier WRC. Et normalement, avec vous sur la PS2, je devrais faire la trilogie, les trois premiers. J'ai la chance d'avoir le 1, le 2 et le 3. Et le 1 déjà va nous régaler pendant un bon paquet d'heures. Et c'est tant mieux. Je vous cache pas qu'en plus du plaisir de refaire le jeu là. J'ai parfait depuis 2-3 ans là. J'avais remarqué que dans mes statistiques de ma chaîne YouTube, où j'archive donc mes ralentis, c'est le meilleur score d'audience que j'ai. C'est ce jeu là. J'avais déjà diffusé là ma partie il y a 2-3 ans que j'avais fait donc forcément off. Hein, je diffusais pas sur Twitch à l'époque du tout. Comme je commence depuis quelques mois. Bref, tout ça pour dire que c'est le meilleur score d'audience que j'ai sur ma chaîne YouTube, à ma grande surprise. C'est la joie d'avoir une chaîne YouTube, on est surpris de dire tiens, le public aime ça, le public aime pas ça. Je serais curieux de savoir si ce que je suis en train de vous faire en direct va également scorer au niveau de mes stats YouTube, voir si vous êtes demandeur apparemment, en majorité, que je passe le jeu là en rallye. Oh, magnifique! Oh, c'est beau, l'immersion elle est complète. Oui, bon lurk à toi, bon week-end à toi de manière générale, Aeroster, merci d'avoir été là. T'as bien raison. À plus. Dans épingle gauche. 50, attention. Attention. Ouais, en vue cockpit interne, on voit que ça se coupe pas mal. Hein. C'est vraiment physique comme épreuve. Une discipline qui en demande beaucoup. Pour les pilotes et pour les bolides. 3 à gauche, 50, 5, droite. 3... Ah, le côté crade de la voiture. Oh la vache, comment qu'elle est poussiéreuse à l'arrière. J'aurais un passager sur la banquette arrière qui n'y verrait rien au niveau des vitres. Arrivé.
Donc, je vais peut-être m'asseoir différemment. Attendez. Ouais, qu'il fasse sa sauvegarde. Ouais, je vais peut-être me recroiser un petit peu les jambes. J'en ai marre d'avoir les jambes tendues. Oui, continuez. Oh, j'ai 30 secondes d'avance au niveau du rallye du Portugal. Waouh, génial. Ça a pas l'air trop compliqué le tracé. Non. Oh, je suis largement en bonne voie si je fais pas l'idiot de remporter également le rallye du Portugal. Eh ben, c'est cadeau. Ah là 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 là. Ah, ah tiens, quand je mets mes jambes croisées sur mon siège au niveau du cadrage de la webcam, je suis juste comme il faut. J'ai le crâne à la limite supérieure quand je me penche en avant au niveau de la première ligne de pixels. Allez, concentration. 3, 2, 1, vas-y. 50, sur crête. Dans frein, donc 3 à gauche. 50, 4, droite. Sur crête. 150, 4 gauche. 50, de gauche. Attention. Dans 5, droite. Sur crête. Dans frein long, 3 à gauche. 50, épingle droite. 50, attention, sur crête. Dans 2 droite. 50, de gauche. 50, attention, sur crête. 50, 3 à gauche. 50, 3 à gauche. Dans 4, droite et 2 gauche. 100, 3 droite. Serré. Ouah, j'ai cru que j'allais m'empaler dans le... dans les piquets là, en bord de route. Très technique cette côte. La montée de la côte, la violence. J'ai failli partir à la faute. À chercher à trouver le point de corde et à faire un extérieur, intérieur, extérieur dans le virage très propre. Je coupe un peu trop et je suis dans le décor. Ce qui peut être fatal. J'ai trop mordu le bord. Attention, tour devant. J'arrive plus à maintenir le bolide droit, tellement qu'il y a... Bon, bref. Ah, là, je suis... Ah, je suis une deuxième. Ouais. C'est pas moi qui ai remporté l'étape, comme quoi. 3, 2, 1, vas-y. Là, j'ai hâte de revoir la fameuse côte là dont je vous parlais à chaud. Sur ce genre de vue, ouais, c'est impressionnant. Le plan de caméra depuis l'hélicoptère, ça en jette.
Ça me fait marrer que mon truc de compteur soit à zéro dans le chat. Personne n'a réagi. Oh, c'est bien, dimanche matin, tout le monde est peinard que tout. 50, attention, sur crête. C'est relax. Waouh. L'effet éblouissement de soleil me laisse là aussi surprendre. Très bien fait. On arrive à deviner hein, le dénivelé. Oui, là j'ai failli m'emboutir les piquets sur le bord de la route. Ouais. Ah là là, la côte là, elle est. Elle est plus difficile à appréhender qu'elle ne. Qu'elle ne le semble à vue. Le nuage de poussière. C'est je crois que c'est Dirt, le jeu qui insiste encore plus sur l'effet nuage de poussière. D'ailleurs aussi je suis en train de me dire le Dirt, je dois l'avoir sur la PS2. Je pourrais peut-être vous le faire à l'occasion, on verra. On verra. Mais comme vous l'avez remarqué, j'aime bien tout ce qui est rallye et en pilotage manette, tout ce qui est rallye et Paris Dakar. Ça, je vais vous faire pas mal d'heures là-dessus. C'est un peu mon dada. Et en revenant sur PC, je vous ferai du Minecraft aussi régulièrement. Le Minecraft, je vais être plus régulier en fait l'année prochaine. Je vais sûrement faire une demi-journée tous les dimanches de Minecraft, c'est quasiment certain. Vous allez y être abonné à ça. Surtout que j'aurai plaisir de jouer avec vous si vous aimez Minecraft et que vous avez un compte de joueur sur le jeu. Voilà, j'emporte le rallye de Portugal, tranquille. Pénard Pépouze. Ah, on va voir la vidéo de présentation du pays suivant. On reste en Europe. Espagne, on va juste à côté. Catalogne. Après trois manches punitives, le championnat du monde des rallyes arrive en Espagne. Un pays réputé pour ses fiestas qui accueille à bras ouverts le carnaval de WRC. Les épreuves sont toutes sur asphalte autour de Lloret de Mar sur la Costa Brava. Le championnat a lieu dans la région catalane où la passion et la fierté des habitants est à la hauteur du désir de victoire des pilotes. Eh bien. Ça a l'air relativement simple, le tracé à vue. Il doit y avoir des subtilités peut-être de. Oui. Les subtilités de pilotage à voir, on va le découvrir. Ça fait étrangement simple sur le papier la carte de l'étape du jour. Ah là là. Tiens, je me suis pas fait mon jeu de la pêche aujourd'hui. Ah, une grémille. Oh, j'ai du mal à orthographier, j'ai mis deux i. Faudra que je corrige ça. J'ai dû faire une saisie un peu trop rapide. Il doit y avoir qu'un seul i dans le nom du poisson. Il faudra que jette un coup d'œil tout à l'heure entre midi et deux avant de rediffuser cet après-midi. Ouais, je pense que je m'oriente. Ouais, je veux faire. Là, je m'engage quasiment solennellement. Cet après-midi, je vous fais du Duke Nukem. J'en ai bien envie. De droite.
50, 3 droite. Ouais, ça va très vite. 50, 2 gauche. Et c'est ce qui est 50, piégeux. Parce qu'on se loupe, le moins d'écart est mortel. Dans très long 4 droite. Sur crête. 150, de gauche. Dans deux droite. 50, très long, 3 à gauche. 50, long, de gauche. Oh, cet effet brouillard aussi qui est très. Dans 4, droite. Ah, un patelin. Et 3 à gauche. 50, 4, droite. Dans long, 4 gauche. 50, 3 droite. Dans 2 gauche. 200, 3 droite. C'était un beau espagnol. Ah oui, c'est traite quand même. Hein. La route zigzag un peu. 150, très long, 4 gauche. 50, 2 droite. Dans long, 3 gauche. 50, 2 droite. Dans long, 2 gauche. Et long, 2 droite. Arrivé. Oh, je me demande si j'ai pas tout en vert dans l'étape là. Non, ah décidément. Ah tiens, j'ai merdé le secteur 4 méchamment en plus. Ah tiens, j'aurais pas cru, vous voyez. Je me laisse surprendre. On dit que j'ai presque 5 secondes de retard par rapport au meilleur pilote. Pour la portion là de piste. Ah, ce brouillard oppressant. J'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je me mets sous la dent ce midi. Je vais me déguster deux délicieux pâtés. Et peut-être que ce soir je vais me faire céréales. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le bol de céréales. Dans du coup. Deux j'aime bien. 50, très long, 3 à gauche. Et demain midi, qu'est-ce que je me ferai à manger? Je sais pas. J'ai envie de dire demain midi, c'est loin. Eh oui, les petits patelins espagnols, elles sont mimi, les petites maisons. Droite. Sur crête. Dans deux gauche. De droite, dans long, de... 50, arrivé. Bien, bien. Vache, c'était vraiment une épreuve rapide. La vitesse moyenne, elle doit être à 200 km/h facile.
Je crois qu'il y a l'Afrique aussi. Le rallye d'Afrique, il est... L'Afrique du Sud ou le Kenya, je sais plus. Il y a... La vitesse moyenne est dingue. Les vitesses de pointe, n'en parlons même pas. Ça a un coup à faire fumer les moteurs. Ouh, le début est en... lacet. Ah, je vais en baver, à mon avis, de celle-là. L'épreuve-là, elle m'a l'air traître. Le tracé dessiné, là, sur la carte. Va falloir que je reste concentré. Donc, à mon avis, je vous dirai pas un mot, pardon, mais... Je ne pourrai que vous refaire la causette après au visionnage du ralenti. Tip tip dip tip dip dip tip tip dip dip. Bébé. C'est parti mon kiki. Concentration. 3, 2, 1. Vas-y, 150, 4 gauche. Ouais, vas-y, vas-y quand même. Dans très long, 3 droites. Très long, 3 à gauche. 50, 3 droite. Dans 3 à gauche. Sur crête. 50, 2 gauche. Sur crête. 100, 4 gauche. Dans long, 4 droite, serré. 50, très long, 3 à gauche. 50, 2 droite, sur crête. 50, épingle droite. 50, 5, gauche. 50, sur crête. Dans 4, droite. Et 3, gauche. Dans 2, droite. 100, sur crête. Dans 2, gauche. 100, sur crête. Dans 2, droite. Et long, 4, gauche. 50, 5, droite. 50, 3, gauche. 150, très long, épingle gauche. Ouais, le freinage, je peux pas le louper. D'ailleurs, ça s'est vu, j'ai largement anticipé. 50, sur crête. 50, de gauche. Dans très long, épingle droite. 50, de gauche. Dans très long, 4 gauche. 150, sur crête. 50, 3 droite. Sur crête. 50, long, 3 à gauche. 50, long, 2 droite. Dans 2 gauche. 100, 2 gauche. 100, long, 4 gauche. 100, et ben voilà. J'avais bien reconnu les panonceaux annonçant l'arrivée. De toute façon, ils sont par deux. Alors, de voir deux paires, du coup, ça se distingue bien sur le tracé, avec l'attroupement de tout le monde sur le bord de la route. Ça veut tout dire. 3, 2, 1, vas-y!
3 droite. Ah, on connaît un qui vient de se réveiller il y a peu. Bonjour cher Fun Fan. J'espère que tu vas bien ce dimanche matin, vu l'heure, j'ai envie de dire ce dimanche midi. Ah là 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 là. Ouais, tu vois, je continue dans l'ambiance rallye, Paris-Dakar, j'en ai très envie en ce moment. Et je t'annonce déjà la couleur, le peu que je vais diffuser cet après-midi. Je dis bien en gros, je vais faire 15h, 18h, puis à 18h, tout à l'heure, je ferai le relais de chaîne pour Bam Bastos. Je pense que je vais faire du Duquesne 3D cet après-midi. Là, d'en avoir parlé avec Aeroster, qui était de passage tout à l'heure, ça me fait envie d'y jouer cet après-midi. Donc à mon avis, tout à l'heure, en gros, 15h, 18h, ça va défourailler. Et ma théorie semble valable. Là, je diffuse depuis Streamlabs OBS, qui crachait, qui avait encore craché hier. En fait, pour pas qu'il crache, il faut impérativement que je ne lance pas sur mon ordi, que je ne lance pas le moindre navigateur et que je ne lance pas Discord. J'ai désactivé Discord sur mon ordi. Je le garde en route secours, éventuellement sur ma tablette, c'est pas plus mal. C'est stable. Je diffuse depuis 9h, là, 9h du mat. On arrive à midi. J'ai eu aucun pépin de diffusion. C'est fluide, c'est bien, c'est correct. Donc je pense que j'ai trouvé la solution et c'est cool. C'est vraiment cool. Parce que du coup, on va pouvoir jouer un petit peu avec les gadgets de Streamlabs. Je vais faire le même test après-midi, cette fois-ci avec le jeu PC du Prukem. Je vais également émettre depuis Streamlabs et on va voir s'il crache dans les mêmes conditions ou pas. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça me rassure. Au moins le boulot que j'ai fait au niveau du montage de mes scènes sur Streamlabs, ce sera pas perdu. Ça me rassure et je garderai OBS classique en route secours en fait, si j'ai vraiment un pépin. C'est l'idéal. C'est beau. Oh là 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 là. Il y a des plans dans ce jeu qui sont à couper le souffle. Temps de gauche. Portugal. Je suis en Espagne maintenant, je dis des bêtises. C'était le pays précédent, le Portugal, et là on est en Espagne. Alors attends que je dise un peu. Ouais. Il y a quelques virages traites apparemment qui se dessinent sur ce tracé, cette étape. Donc pour info, coucou. Voilà, je l'attendais. Je reste à l'antenne environ jusqu'à 13h. Là, je vais faire un relais de chaîne après auprès d'Olive. Olive qui a commencé à diffuser du Skyrim. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir Olive qui tue. Ah. Mais je me suis pas noté en fait ce que je vois modifier dans la coulisse tout à l'heure. Faut que je retienne de mémoire. Enfin, ça va être du frais. Entre midi et 2, là, paisiblement, sortie de table. Je vais faire encore quelques modifications. 3, 2, et puis 1, je vous retrouverai vers 15h. Temps long de gauche. Temps 4 gauche. C'est beau. Dans 5 droite, dans long
Je gagate, hein, j'arrête pas de m'extasier et de répéter c'est beau, c'est magnifique, mais je le pense vraiment, j'aime beaucoup. Moi, ça me suffit pour m'occuper l'esprit. Oui, oui, j'irai voir, oui, promis. Oui, j'irai lire mon Discord aussi à la pause déjeuner. Oui, je devine que tu m'as écrit des trucs. T'en fais pas. D'ailleurs, le réflexe est plein de bon sens, c'est évident. Qui que vous soyez, c'est-à-dire. Là, je rebondis sur ta remarque, une fan. Mais qui de droit souhaite me contacter, me dire un truc urgent, important. Vous regardez si je suis en direct, vous m'interpellez avec la voix de synthèse, bref, vous manifestez à moi. Et puis, sinon, vous regardez si je suis sur. J'ai mon Discord d'actif ou pas. Si vous voyez que je suis en mode lune, c'est-à-dire inactif, c'est que je garde un œil sur mon Discord et que je suis pas déconnecté. Voilà. Sinon, tant pis, hein, si vous voyez que je suis nulle part, c'est que malheureusement, je suis très probablement en extérieur pour toute la journée. Potentiellement pour le boulot. De toute façon, nos outils et les. Arrivé. Je suis surpris de la pose du panneau en beau milieu du. Au beau milieu de la route. Et carrément sur la ligne en pointillé, dégommer les panneaux. C'est bizarre qu'ils aient pas mis sur chaque côté de la voie. Bonjour, Saul Goodman. Mais oui, j'espère que tu vas bien aussi. Bienvenue à toi en ce dimanche matin. Oui, ça va peinard, merci. J'ai eu peur, oui, c'est le ralenti. J'ai cru que j'avais relancé l'étape en fait. J'appuie instinctivement en disant le chat. Et puis du coup, je. Oups. Je me dis, mince, j'ai déclenché un mauvais truc. Vindu. Ah ouais. Oh, le rendu. J'avais même pas fait gaffe à l'effet de flou en arrière-plan. Ouais, c'est bien maîtrisé. Ça fait crédible. Hein. Déjà à l'époque, la PS2, il y avait des effets spéciaux, c'était cool. Ah merde, ah, un petit peu enrhumé, ouais, t'as le nez pris, ouais, c'est chiant quand t'éternues à tout va. Enfin, vaut toujours mieux ça qu'un truc beaucoup plus terrible et douloureux qu'une sinusite, une angine, comme a eu le pauvre Arskar Kapak, ou la grippe, c'est horrible. Ah, reste bien au chaud, va, évite les chauds froids, et puis ça va passer. Ça va passer. Ah, il se passe quelque chose. Ah, merci. Joie dans mon alerte retour intégral là en tant que diffuseur de sur mon chat. Merci à toi, mon cher Saul Goodman, de m'héberger sur ta chaîne et de diffuser mon signal sur ton canal. Merci tout plein. Mais en dehors du. Ah, attendez voir. On a entendu la sonnette classique qui, d'ailleurs, faudra que je change là aussi. Faudra que je pioche dans ma banque de sons pour faire un son différent. J'avais préparé l'alerte en fait. Normalement, hébergement. Relais de chaîne, j'en suis certain. Elle a marché récemment. Relais de chaîne, mais j'ai. Mais si, normalement, j'ai mis au premier plan les alertes par rapport au signal du jeu. Donc ça doit être prioritaire, ça aurait dû s'afficher. Bizarre. Faudra que je revoie. Que je revois à l'occasion. Hmm? Oui, mais bien sûr, libre à toi. Ça, là-dessus, ne vous sentez pas obligé de vous manifester hein, sur la chaîne. D'ailleurs, je comprends parfaitement les timides. J'ai envie de dire, pour l'avoir été adolescent avec les filles. C'est vrai, en plus. Je pourrais vous raconter des trucs. Enfin, bon, bref. Je vais pas vous enquiquiner avec ça. Mais je comprends parfaitement les personnes qui sont timides, qui ont confondu d'eux, qui ont envie d'interagir avec moi, ou éventuellement quelqu'un d'autre dans le chat, hein, je comprends parfaitement, mais qui veulent pas se mettre en lumière et apparaître aux yeux de tout le monde dans la chaîne. Donc la technologie est merveilleuse, vous pouvez déjà faire des messages privés, pour ceux qui sont à l'aise avec Twitch ou d'autres, je pense aussi à Discord aussi, en assimilé. Et puis, voilà, me concernant, vous savez que vous pouvez même me concerner par courriel. Vous faites le sage de Nancy, tout attaché,
arrobase@gmail.com. Et puis vous m'écrivez un mot, et puis quand j'ai le temps de vous répondre, de vous lire, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis voilà, c'est à votre discrétion. C'est extraordinaire. Moi je dis, on vit une époque magnifique. Non, oui, voilà, oui, je. Oui, tu fais très bien d'être en caché, en leurre, comme on dit. Oh, 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 il pleut comme vache qui pisse. Waouh, ça va glisser. D'ailleurs, j'en ai loupé mon départ. Je me suis laissé impressionné par les trompes d'eau qui tombent. J'ai loupé mon départ. C'est pas grave. C'est dangereux. Dans 4 gauche et 3 droite. Dans très long, 3 gauche. D'accord, très long, 3 gauche. Waouh, j'ai fait l'intérieur du virage un peu trop rapidement, dérapage contrôlé. J'avais là encore une fois de plus trop d'inertie. 50, 2 droite, dans très long, 2 gauche. Ouais, j'allais dire, je la sens pas parce que dans le prolongement de la route, j'avais plus vu sur le bitume. Et ça, c'est un coup avoir un virage en traître ou un obstacle qui apparaît subitement sur le tracé. D'où le fait que j'ai ralenti instinctivement pour éviter le pire. Cinquante, quatre, droite. Cent cinquante, trois à gauche. 50, 3 droite. 50, sur crête. Dans 2 gauche. 50, 3 droite. 50, long, 4 droite. Dans 4 gauche. Sur crête. Dans long, 5 gauche. Dans 5 droite. Alors attends, oui, je te lirai, j'ai vu que tu as pris le temps de m'écrire un long message. Saul Goodman, attends, excuse-moi. Évidemment, je finis mon étape d'abord. Et je te lirai avec grand plaisir au ralenti. Arrivé. Voilà. Bon. Attendez, dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai loupé de vous? Ah, là aussi, j'étais pas loin d'avoir tout en vert. Hein. Je finirais bien par avoir une étape où j'ai tout en vert, où je survole le 3, 2, 1, le patin. Vas-y. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai loupé? Je relis mon contrôle chat sur l'écran secondaire. Ce qui donne les directions de ce type de jeu, je découpe parce qu'ils sont trop répétitifs. Ah, le 4, oui, le copilote 3, quand il dit 3 à gauche, 2, 4 léger, machin. Ouais, mais l'info me sert quand même. Je vous en parle pas dans les médias, mais j'écoute quand même à l'oreille, histoire de ne pas me planter par rapport au... Moi, j'en ai besoin, pardon, je le laisse, donc. Et je lis moins, en fait, l'indication visuelle avec les panneaux. Je suis plus à l'oreille, moi, sur ce genre de jeu. Où j'essaye d'apprendre la partition à jouer, en fait. On t'a sûrement déjà posé la question, mais tu ne diffuses plus depuis ta chaîne secondaire du robot, enfin... du matou. Oui, alors la raison particulière à ça, ce qui a précipité en fait le fait de plus diffuser depuis la secondaire, c'est que déjà vous étiez pas mal à me dire, oh, c'est chiant de suivre d'un côté, je comprends parfaitement, c'est chiant d'ouvrir une page pour avoir le son et l'image et d'ouvrir une autre page pour avoir le chat. C'était pas souhaité, mais je voulais faire ma cuisine dans le secondaire, déjà pour pas trop m'afficher, parce qu'il y en a déjà qui me suivaient sur le canal principal, donc je voulais pas présenter un truc trop brouillon. C'est la première raison. Et la deuxième, n'oublie pas le piratage qu'il y a eu de Twitch, où ils ont réinitialisé toutes les clés. Et à ce moment-là, je me suis dit,
j'avais déjà quelque chose qui tenait la route par rapport à ce que je voulais vous présenter sur ma chaîne. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, autant rentrer la clé de la chaîne principale et qu'on n'en parle plus. Et voilà, basta, au moins c'est fait. Voilà pourquoi. En fait, c'est l'événement perturbateur du piratage de Twitch qui m'aura incité de basculer du canal secondaire au canal principal et de me dire, ça c'est fait, voilà. Voilà, c'est les deux raisons là en fait, jumelées. Oui, alors Funfan a raison. Funfan a raison, c'est la troisième raison. C'est-à-dire que dans ma batterie de test des commandes et des différentes fonctionnalités en ligne, quand je suis donc en direct, il y a très juste Funfan, tu fais bien de le rappeler, merci. Techniquement, j'étais coincé, c'est-à-dire que j'avais pas mal de commandes abouties et de fonctionnalités assez poussées qui ne pouvaient s'opérer que sur le canal principal et pas sur le secondaire. Entre autres, la commande qui fonctionne toujours pas, le point d'exclamation clip ne fonctionne toujours pas. Encore merci pour hier, toi-même Funfan, il y avait Bambastos qui s'était prêté au jeu de lancer la commande, ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, je vais pas m'acharner dessus, on verra plus tard. La faute revient peut-être même d'ailleurs à Wiseboot qui a peut-être programmé de manière un peu brouillonne la commande et ce sera peut-être mis à jour plus tard, c'est pas grave. Peut-être, hein, j'ai mes suppositions, je remets pas la faute sur Wiseboot, au contraire, je les honore, c'est extraordinaire. Cet outil de Wiseboot est vraiment génial. Alors, cinquième épreuve qui est pas mal longue, 8 bornes, c'est au minimum une épreuve moyenne dans la longueur, presque une longue épreuve quasiment. Rares sont les étapes qui dépassent les 10 km. Et elle a l'air méchante, elle est très entortillonnée en lacets. À mon avis, je vais devoir rester bien concentré sur le pilotage là dans les 5 minutes qui suivent. Oui, tu comprends mieux la raison. C'est vrai que c'est mieux pour discuter directement dans le chat principal. Bah oui, tu m'étonnes. C'est sûr que là-dessus, c'est beaucoup plus instinctif, naturel et c'est pas prise de tête. Mais voilà, comprenez. Je me suis justifié. Voilà pourquoi. Mais c'est de l'histoire ancienne. Le cybermatou, il me servira plus que comme pour Funfan avec son fun modo à avoir un contrôle secondaire pour faire la modération. Ça m'est pratique, moi, rien que pour le cas de Funfan quand je fais sa modération, c'est-à-dire que je me sers de ma tablette, ça me permet d'occuper mon ordi à toute autre chose. Et c'est super agréable quand vous avez les moyens techniquement de faire ça et de déléguer matériellement, j'ai envie de dire, un support le dédié à cette tâche-là, c'est un régal. C'est un régal. Ça donne un degré de liberté énorme. Dans 4, droite, 50, très long, 4, droite, 50, 5, gauche, 100, attention, tour devant, dans 1, gauche, et 2, droite, 50, 2, gauche, 50, long, 4, gauche, sur crête. Dans très long, 4 gauche, serré, 50, épingle droite, attention, sur crête. J'ai pas un bon chrono, je suis dans le rouge. 50, 5 gauche, dans 4 droite, et 3 gauche, 50, long, 4 droite, sur crête. Crête? Ah oui. Dans 2 gauche, et 3 droites, 50, 4 gauches, 50, 2 gauches, dans 4 droites, 100, très long, 3 gauches, 100, 2 droites, 50, 5 gauches, 50, 5 droites, sur crête. Dans long de gauche, 50 sur crête, dans 4 droite et 4 gauche, dans long 3 droite, 50 épingle gauche sur crête.
Hop, 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 hop. Hop, la faute. Oh là là. Alors là, j'ai perdu l'étape, là, clairement. Oh là 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 là, j'ai merdé mon freinage qui a été trop tardif. Oh, la montée. Wouah, la côte de fou. Ah, j'ai pas perdu trop de temps. J'ai du bol par rapport à ma sortie. Heureusement que le reste était correct. Je rappelle que je joue en facile, hein, je me prends pas la tête. Voilà, ça c'est fait. Je vais me taire et je vais rester concentré sur mon étape. Mais remets-moi en piste. Mais quelle horreur. Merci. Du coup, j'ai changé de vue, je suis en panique. Voilà. Ah bah voilà, c'est la cata. Dans long, épingle droite. 50, 5, gauche. Sur crête. Dans 4, droite. 50, long, épingle gauche. Sur crête. 150, très long, 4, droite, serré. Ouais, c'est une étape longue. 23 secondes de retard, c'est mort. Ouh, je vais prendre cher au championnat, moi. Championnat d'Espagne, là je peux faire une croix dessus, je crois. Tant pis, bien fait pour Maggie. Sur crête, dans 3 droites. Dans 3 droites. 200, long, de gauche. Wouah, plein régime. Oh, la vitesse de pointe. Arrivé. Aïe, 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 aïe. Ouh, ça fait mal, ça, pour le championnat d'Espagne. Ah, je suis troisième. Bah, je limite la cache, j'ai du bol. J'ai quand même un beau moins 8 secondes et moins 9 secondes. On voit que je joue en facile. Hein. Les chronos sont complètement fous. 3, 2, 1. Oui, merci. Bonne situation à toi, Sugunman. Merci d'être passé, merci du coucou. A plus, bon dimanche à toi, bon fin de week-end toi aussi. Merci tout plein. Raisonnement terrible de voir Saul Goodman pour la Suisse, bon représentant de la Suisse, et me dire qu'il est l'heure de déjeuner, je pense à une raclette, surtout en voyant la montagne. C'est une succession d'associations d'idées, et là je me dis, raclette. Ah là là. On entend bien subtilement les passages de rapport, le clac, 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 clac. C'est vachement bien fait. Ça me rappelle toute la sensualité des premiers sons de bagnole sur la PlayStation 1, cette fois-ci, avec la célèbre saga Gran Turismo. La qualité sonore était exquise. Mais d'ailleurs, je sais plus si c'est le cas des premiers opus. Je sais qu'à partir du 5, ils avaient expliqué un peu la coulisse de la programmation de Gran Turismo. Dans le 5, ils s'étaient vantés en fait d'avoir enregistré les bruits de moteur de la plupart des modèles qui étaient modélisés dans le simulateur. Ils prenaient carrément à la perche son les vrais sons de moteur de chaque modèle. Et ça, je trouve que c'est top qualité, ça va loin quoi. Au niveau du réalisme. Il y avait en boîte carrément toutes les fréquences sonores des différentes motorisations. Ouais, alors là, ouais. Première grosse faute. Ça a été une sacrée sortie de piste déjà là. Et la suivante. Panique à bord. Oh, la montée. Long, 3 droite. Ça en met plein la vue.
Voilà, là on voit du pays, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai débranché ma tablette, elle est rechargée. Dans long, épingle droite, 55, gauche. Attends, je passe un coup sur la... Non, j'ai la tablette en PLS. Bon, de toute façon, je consulterai mon Discord tout à l'heure, hein, donc à la pause déjeuner, je te répondrai posément, paisiblement, fun, par rapport à tous les messages que tu m'as laissés. Oui, l'étape était assez longue, hein. J'avais dit qu'on avait presque 10 bornes à faire. Là, on est parti pour 4 minutes d'étape. Oh, le freinage! Le freinage! Comment qu'il appuie sur la pédale de frein? Mon Dieu, il a pilé comme un maboule. Intéressant. Du coup, c'est la fin du rallye d'Espagne. Je passe au pays suivant, non? Je crois. Hein. Ah ouais! Ah si, je conserve une avance et je remporte le... Bah j'ai du bol. Je remporte le rallye d'Espagne. Et bah cool, tranquille. Tranquillou. Oh, on voit les tableaux des points. Alors, la suite, c'est où? On quitte l'Europe, peut-être. Ah, Amérique du Sud. Bien. Argentine. Technique, l'Argentine. Traverse maintenant l'Atlantique vers un autre pays hispanophone. L'Argentine offre à peu près tous les types de terrains possibles en compétition, depuis de vastes régions reculées et poussiéreuses jusqu'aux routes de montagne qui serpentent vers les nuages. Là, ma Subaru. N'importe qui ne peut pas survivre au beau milieu de la Pampa. Oh vache. Et la même loi s'applique aux pilotes du rallye d'Argentine. N'importe quoi, le mec à cheval. Je sais pas si vous avez vu la séquence vidéo. Il y a des uluberlus, franchement, les trucs à pas faire. Le shakedown, j'ai jamais fait. Deux restants. C'est pour j'active l'option parce que normalement c'est le stand, le garage. Je vais le déclencher au moins une fois parce que du coup j'en aurais pas eu stratégiquement besoin à m'en servir. Comme on est en facile, on se promène. Mais juste pour voir, par curiosité, je sais plus à quoi ça ressemble. On doit avoir en fait la voiture sur essieu sur Creek sous la tente avec les mécanos autour. Par contre, punaise, ça prend le même temps de chargement que pour une étape, donc je le ferai juste une fois pour l'exemple, pour ce direct, là, aujourd'hui. Alors, il faut que je garde l'astuce si je suis pas contraint de faire ça. Ah non, c'est un entraînement. Wouah. Wouah. En vue intérieure, c'est horrible, ça fait peur. En fait, c'est un droit à l'entraînement, en fait. Ah, je pensais que c'était le garage avec le bidouillage des... Et un possible changement de pièce de la voiture, mais non. Waouh, en vue intérieure, c'est flippant. Oh mon Dieu. Sans indication en plus. On y va à poil. On n'a pas d'indication. Ah voilà, c'était juste pour tester. Tu es dans ta voiture, course dans le coffre. Oui, bah bon chargement de course à toi. Oui, c'est vrai que tu avais indiqué tout à l'heure que tu étais parti faire tes courses. Tu me diras, je suis plus rassuré quand tu me déclares ça
que quand tu me dis que tu es en train de faire de la route et que parfois tu nous réponds par intermittence, on a toujours les chocottes. Niveau sécurité routière, faut pas déconner avec ça. Ah là 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 là. Mais merci de ta fidélité, mon cher Tunsen. Pardon, j'ai toujours le nez qui me démange. Ah, que je regarde, je vais avoir un truc au nez. Ah, peut-être que j'en parle à mon médecin à l'occasion. À prochaine visite de routine pour faire bilan de santé. Il dira, ah, docteur, j'ai des démangeaisons étranges au pif. Papapi, pipali, pili, pipili, pipili, alors, Argentine. Attention. 3, 2, 1. Oui, je change la vue. Je veux la vue arrière, merci, dans parce que droite, j'ai besoin d'avoir du recul. Gauche. 50, 1 gauche, dans 5, droite. 50, 2 gauche. 50, sur crête, dans 3, gauche. 50, 3, droite. 50, long, 2, droite. 50, 3 droite. Dans 4 gauche. 3 gauche. 50, 2 droite. 50, 2 droite. 100, 2 gauche. 50, 3 droite. 101 gauche. 50, 3 droite. 50, 2 gauche, serré. 104 gauche. Arrivé! Juste avant l'arrivée en plus. C'est le genre de truc on part en tonneau là. Il fallait pas que je morde et que je tape le décor. Voilà. 3, 2, 1, vas-y! J'aime bien les cornes derrière. C'est rigolo. Heureusement qu'ils nous ont pas ressorti, je sais plus, c'était à une Coupe du Monde, je crois. Les fameuses vuvuzelas. C'était un truc. Ah! Le son rendait fou. C'est vrai que l'Argentine, ça fait un décor, pardon hein, pour les Argentins, mais ça fait un décor assez pauvre. Heureusement qu'il y a quelques buissons, parce que ça me donnerait quasiment le sentiment d'être dans un paysage lunaire. C'était le cas d'ailleurs dans l'autre jeu que je vous ai il y a 15 jours là. Je vous avais fait le Master Rally, qui est un authentique Paris-Dakar en fait, Master Rally. Et il y avait des portions de tracé. Ça me mettait mal à l'aise, je vous l'avais dit en direct. Parce que c'était une terre cendrée et on avait l'impression qu'il y avait un énorme incendie de feu de forêt. Et voilà, un paysage vraiment lunaire. Et ça en devenait presque angoissant en fait. La bonne vanne de Twinsen. Ah, il m'en faut pas plus pour me faire rire. Mais oui. Oui, si dans la vraie vie, on avait un copilote qui nous dit, par rapport aux routes qu'on prend tous les jours en vrai, aller de la maison jusqu'au magasin, droite léger, long, quatrième.
Feu à 100 mètres. Le GPS, mais en mode bavard, bavard à outrance, harcèlement. Ah. C'est ça, Funfall, ouais. T'as pensé comme moi, c'est ça. Mettre son GPS en... Oh, tu es une scène. Je ne cautionne pas, attention, ce genre de commentaires. Canaillou. Mais il y a de ça. Ah là 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 là. Ouais, bon rangement de course, bon déjeuner à toi, vu l'heure. Je présume que tu vas enchaîner course et popote après. Merci d'être passé. Bon dimanche pour la suite à toi. À plus. Et bon app par avance. Alors, étape suivante, attention l'Argentine, je me méfie. Les tracés sont techniques, piégeux. Les erreurs sont généralement pas tolérées. On n'a pas le droit de déborder hors piste. Surtout que c'est un profil vachement caillouteux. Oh! Encore un 3, déluge. 2, 1, vas-y! Merde, j'ai 50, loupé mon 4 départ. gauche. J'ai mal dosé l'accélérateur. 50, 1 droite. 50, 4 gauche. Ah, le brouillard est traître. 50, 3 droite. 50, 2 gauche. Dans Oh 3 droite. Et 3 à gauche. 50, 3 droite. Dans 3 à gauche. De droite, serré. Et long, de gauche. Ah tiens, mes chronos sont pas bons. Enfin, je 50, suis pas en épingle tête de droite. l'étape. Mazette. Qu'est-ce que ça doit être cette épreuve en difficile? 50, 4 Ça gauche. doit être un cauchemar. Final, c'est le côté vallonné qui est dangereux, mais sinon, là c'est quasiment de la ligne droite quoi. Ça faisait cuvette, oh, impressionnant. 3, 2, Elles sont bien les 1, animations des spectateurs, c'est rigolo. Tout est bien fait de toute façon, c'est génial. D'ailleurs, il sera amusant de voir quand j'aborderai le second opus de WRC. Comme là, je rappelle, c'est le premier opus. Quand je ferai le deuxième numéro, il sera amusant de voir les évolutions technologiques. 50, Vous 3 verrez droite. déjà l'évolution de la franchise 50, 2 gauche. avec à l'œil au niveau du Dans 3 graphisme. droite. Et moi, je vous ferai part de mon ressenti au pilotage à la Et... manette. S'il y a eu du peaufinage sur le moteur de jeu, au niveau de la physique émulée. Enfin, émulé, vous m'aurez compris. Le côté réaliste au niveau de la prise en main des bolides. Oh, on n'y voit rien! Mais pourquoi vous mettez la vue aérienne, les mecs? Il y a une vraie purée de pois. On a eu un plan où c'était quasiment un écran blanc, mais ça va pas. On n'y voit que puik.
gauche, dans 2 droite, 50, sur crête. Je redéploie mes jambes, je vais finir par un problème de circulation sanguine. Ah, faut que je bouge un peu les jambes. Ils sont restés assis trop longtemps, c'est pas bien non plus. Passons, je vais rendre l'antenne d'ici une bonne demi-heure. Dès qu'on entendra le coucou à 13h, je repasserai ma tronche en plein écran pour vous saluer tous. Et puis faire le bilan de la session du jour, enfin du matin. Et on basculera chez Olive si elle diffuse encore à cette heure-là. Ouais, je regarde quand même avec attention mes résultats. Là, je m'en sors bien, hein. Je m'en sors bien. Olive et Tom. Captain Tsubasa en version originale japonaise. Love, Olive et Tom. Avec lui ou quoi? Olive, que je sache, est toute seule, si c'est ta question. Sinon, je n'ai pas su interpréter ton propos, mon cher fun fan, et j'en suis navré. Faudra que tu reformules ton interrogation. Ah oui, oh là là, décidément tu me le sors à toutes les sauces alors que tu m'avais fait comprendre que tu l'aimais pas le gars. C'est dingue. C'est bien au moins t'es pas rancunier. C'est une personnalité qui t'agace et tu peux pas t'empêcher de faire des jeux de mots avec. 50, 3 droite. 50, 5 gauche. 50. 5, 3. Je trouve qu'il y a un petit effet cartoonesque au niveau de la texture des rochers sur le côté là. On a les gros rochers. J'ai l'impression que le réalisme est un peu loupé pour ce coup là. J'ai l'impression de voir un dessin animé là. Hop 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 hop. Vertigineux. Vertigineux. J'étais près du bord. Je me suis fait peur. 50, 3 droite, sur crête. 100, 3 droite, dans 3 à gauche. 100, attention, saut devant. 50, attention, saut. 50, attention, saut. 50, long, épingle droite. Ne prends pas de raccourci. Ça a le mérite d'être clair. 50, attention, sur crête. Dans très long, 4 gauche. 50, long, 3 droite. Dans très long, 3 gauche. 50, 3 droite. Dans de gauche. Merdoum. J'avais une inertie de maboule. Sur crête. 50, 4 gauche. 100, sur crête. 100. Arrivé. Ok. Ouais, oh ouais. Terrible l'épreuve là. Elle pardonne pas les erreurs. Mais tout à l'heure, quand il m'a dit prends pas l'intérieur, là, je sais plus comment il avait formulé, il aurait presque pu dire en plus court dans le jargon pas de corde. Ne pas prendre le point de corde. Pas de corde, j'aurais compris tout autant. C'est comme Halo avec Carole Quintaine, il aime pas, mais il nous en parle souvent. Ouais. Ah là 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 là. Je vais changer un peu, j'alterne avec le café au lait, je bois un peu de flotte aussi.
50, 3 droite. Oh là là. Ouais. Impressionnant. Ouais, il y a vraiment des plans, des vues. Ça en jette, comme on dit. Ouah, le saut. Ah, je m'en suis pas rendu, aperçu, je m'en suis pas rendu compte de pilotage. Là, c'était flagrant. 50, attention. Tu m'as envoyé un message. Oui, tu veux dire sur Discord ou en... ou peut-être en MP. Alors le problème c'est que je mets plus le navigateur internet et la plateforme Twitch en direct quand je diffuse. Donc comme ça fait sauter mon Streamlabs, si tu m'envoies des MP par exemple, des messages privés sur Twitch, je le verrai qu'à la pause déjeuner, je réactiverai pour suivre Olive. Et je le verrai à ce moment-là. Mais t'inquiète pas, cumule les messages et puis je te répondrai. D'ailleurs, je vais voir si ma fameuse tablette est pas en... Les autres notifications, c'est d'autres personnes. Oui, voilà, j'aurais plusieurs à vous lire. Ah, elle a l'air... Apparemment, elle est sortie du coma, ma tablette. Ah, pas tout à fait. Elle est un peu dure, là, en diesel. Enfin, c'est une vieille tablette. Ah, merde, c'est déjà fini. Attends, hop là. Voilà, ça sauvegarde. J'ai le temps de saisir mon mot de passe sur la tablette. Continuer. Ah, te revoilà, Tunsen. Eh bien, je croyais que t'allais enchaîner entre le rangement des courses et le fait de passer à la table. Hop là, voilà, qui charge l'étape suivante. Alors attends, Discord. C'est là où je vais voir que vous m'avez écrit 50 000 messages. Je vais être en panique. J'ai un roman à lire. Oui, Fanfan est réveillé. Alors, je sais pas comment vous faites, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pourrais pas vivre de nuit, je déprimerais. À l'idée de devoir me coucher à l'aube et puis me réveiller en fin d'après-midi, j'ai vraiment pas cet état d'esprit. Ça me rendrait vraiment triste. Je crois que je serais, sans déconner, je serais un déprimé si je devais être contraint à ça. Waouh ! Oui, je crois que vous m'avez écrit pas mal de trucs. J'ai. Ah oui, j'ai la tablette qui a du mal à m'afficher le Discord. Bon, je vais piloter, attendez. 3, 2, je lirai juste après. Vas-y. 50, 3 droite. Dans épingle gauche. Wouh. 50, sur crête. Dans épingle droite. 50, épingle gauche. Dans 5, droite. 50, long, 4, droite. 50, sur crête. 50, c'est bien technique. 5, a pas intérêt à aller à fond droite. Les ballons là. Ça pardonne pas l'Argentine. Dans 3, gauche. Je vous l'ai bien annoncé. 50, 3, droite. La moindre erreur 50, pourrait être fatale. 50, long, 4, droite, ouvre. Waouh, alors là j'ai tapé généreusement sur la rambarde. J'avais une mauvaise 50, trajectoire. Dans épingle gauche. Dans le virage. 100, très long, de droite, serré. Dangereux. Très escarpé. Dans long de gauche. 50 sur crête. Cinquante
50, 3 droite. Ouais, là aussi le jeu nous en met plein la vue. Hop, 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 la faute. Arrivé. Ouais, là j'ai la tension qui va redescendre. J'ai la tension qui... Ah bah en fait j'ai le début qui... Là aussi j'étais pas loin d'avoir tout dans le vert en fait. C'est dingue. J'aimerais pas avoir une seule épreuve en tout vert. Alors attendez, pardon, je vous lis. Ah mais non, tu m'as écrit juste un message te concernant FunFan. Alors, oula, oula, oula. Oui, mais encore en pyjama. Une joie que tu as à peine maintenant de m'apercevoir après j'ai vu que tu t'es venu tout à l'heure. Oui, Tunsen, il m'a rejoint quasiment dès ma prise d'antenne. Hein. J'ai démarré à 9h, à 9h30, il était déjà là, Tunsen. Fais les 3-8, tu verras la douleur. Oui, au niveau rythme de boulot, ouais, dur. Dans ma jeunesse, j'ai déjà fait les 3-8 en déphasé total, ouais, mortel, ouais. Ah, c'est le genre de truc, j'espère que professionnellement, je ne sois pas coincé à ce niveau-là. Cette musique, je l'aurais bien vue dans un jeu de gestion comme Thème Hospital. Oui, la musique qui passe, mais par rapport à mes compos. Oui, oui, je pense que certains pourraient faire l'objet d'habillage de certains jeux, ouais. Ça pourrait passer tranquille. Oui, effectivement, FunFan, ta remarque que tu me dis en off dans le Discord, c'est bizarre, c'est Twitch est bizarre. Parce que là, j'ai sur mon écran de contrôle avec mon application de chat, j'ai un listing, c'est la première fois que j'ai le listing qui fait tout l'écran dans la longueur. J'ai l'impression que j'ai 30 spectateurs, alors que vous êtes que 3-4 actifs. Mais bon, ça n'a pas d'importance au final. Hein. C'est que tout le monde se sente bien et profite du moment. Mais c'est vrai que je l'explique pas. Et je suis ni même plus. Je cherche même plus à comprendre. Je me dis qu'il y a un truc qui bug sur Twitch. Il y a un bug dans la matrice. Je sais plus à quelle étape je suis là du rallye d'Argentine. Mais à mon avis, je suis parti pour boucler le rallye d'Argentine. Et puis rendre l'antenne en fait. Ça sauvegardera. Et puis je continuerai WRC, je sais pas quand. Dans mon prochain direct, on verra peut-être dans 15 jours, 3 semaines, on verra. Ou l'année prochaine, on prend plus de tête. Oui, c'est vrai, ouais, ouais, merci, ouais, ouais, c'est vrai. Le début de l'antenne, la première demi-heure, il y avait Olive, il y avait une scène. Et vous m'avez grandement aidé à faire des réglages son. J'avais, paraît-il, une voix robotique à ma prise d'antenne avec un écho. Qui normalement pour moi aurait pas dû se produire, mais on a trouvé l'astuce, j'ai trouvé le bon réglage et je m'y tiens maintenant. J'ai verrouillé mes réglages pour que j'ai pu aller faire et que vous puissiez m'entendre distinctement. Ouais, ouais, merci. J'avais déjà oublié cette phase de réglage. Cinquième et bah oui, ouais, cinquième épreuve là, elle est assez longue. Ouais, ouais, à mon avis, on va boucler le direct de ce matin sur le rallye d'Argentine. Tranquille, bien. Tout s'emboîte parfaitement. Que demande le peuple? Ah. Tip tip bidip tip bidip bidip. Alors, chargement, clic clic clic. C'est le rallye, ouais. Ah, il reflotte à foison. Mais là, on n'a pas l'effet brouillard en fait. Je devrais voir assez loin. Je devrais pouvoir lire le tracé. 50, 4 gauche. Épingle droite. Mmh.
Mais je ne comprends que tu as perdu au jeu de la bombinette. 50, 3 droite. Dans 3 à gauche. 50, long, 2 gauche. Sur crête. Ah, impressionnant. 100, 3 droite. Là aussi, on peut le dire, c'est vertigineux. Non, mais vous avez vu le dénivelé? Oh là là, le toboggan. 50, 2 droite. 50, 3 droite. 100, 2 gauche, serré. Impressionnant. Mais... 4 gauche, ouvre. J'ai l'impression que c'est des voies de circulation en Argentine. Qui sont peut-être centenaires, où généralement on passait à pied avec les mules et les animaux, 50, et qui sont devenus des routes secondaires, mais vraiment dangereuses. Quoi. Parce que là, ce que je suis en train de faire en parcours, théoriquement dans le championnat de rallye, c'est des routes qui, en temps normal, sont ouvertes à la circulation automobile motorisée. 100, épingle gauche. Vous n'avez pas intérêt à vous louper, hein, le moindre écart et c'est la mort. Là, j'ai tapé joyeusement contre la rambarde. 50, épingle droite. Le truc qui se fait pas en vrai. Oh, mais mortel! Oh, ça fait peur! 50, 5, gauche. 100, 3 à gauche. 50, 3 à droite. 100, 4 gauche. 50, sur crête. 100, 4 gauche. Non mais le rallye d'Argentine, c'est le rallye de la mort. 100, 4 droite. C'est effroyable. Sur crête. 100, 3 droite. 50, 4 droite. 100, 4 gauche. 50, sur crête. 50, 2 gauche. Et 5 gauche. Dans 2 droite. 50, 2 droite. Arrivé. Ouh. Ah, j'ai fini premier. Cool. Bah, j'ai du bol. 3, 2, 1, vas-y! Donc, normalement, ça devait être la dernière étape du rallye d'Argentine. On va le voir après la rediffusion. Donc je rebasculerai en papotage et puis je vous ferai les salutations d'usage, les remerciements avec grand plaisir. Et puis on ira voir l'ami Olive qui est sur Skyrim. Sur crête. Non. D'ailleurs, c'est même l'environnement qui est hostile aussi potentiellement pour le pilote d'hélicoptère là, qui essaye de faire des images. Il n'a pas intérêt à se viander dans une falaise. Il doit en avoir aussi pour ses moments frissons et sa goutte de sueur le long du front, le pilote d'hélicoptère. Parce que avec un environnement aussi escarpé, le relief ne peut pas être plus accidentogène que cela. Le canyon, le ravin. Là, le jeu nous en met plein la vue. Voilà, il n'y aurait pas eu la barrière, en vrai, je serais mort. J'aurais terminé ma course en contrebas. Il passe pas où l'hélicoptère ?
J'ai cru qu'il a fait une piquée. Moi, au moment où j'en parle, ça fait flipper. Non. Un nombre de fontaines. Il y a des noms très poétiques hein, dans les noms de poissons. Bien joué, Clemson. Ta prise est gagnante. Donc, que je sache, c'était la cinquième et dernière étape. Voilà, là il sauvegarde, c'est le plus important. Histoire qu'on ait une suite cohérente plus tard quand je refais le jeu. Continuer. Ouais, ouais, résultat final. Donc je remporte une nouvelle fois le rallye là. Ah oui, 30 secondes d'avance, bon bah ça va. Bon, c'est cool. On se regarde quand même le quel pays nous attend pour la prochaine fois. On se regarde la petite vidéo d'intro. Oh, Chypre. Waouh, Chypre. Alors là, la poussière va voler. Ah là 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 là. Mince. Oui. Ah bah. Pff. Bravo. J'ai le crash du. Au moment où j'en parle, j'appuie sur échappe et puis je fais crasher mon OBS. Avec le coucou au même moment. Donc je pense que vous m'entendez. C'est pas grave, on va. Je vais finir là-dessus. Tant pis si vous ne me voyez pas au premier plan. C'est pas grave. Je vais couper proprement. On va faire rapidement un relais à Olive. Olive qui tue. Voilà, normalement, le relais de chaîne va se faire. Un gros merci à tous d'avoir été là. C'était un bonheur ce dimanche matin. Merci particulier FunFan pour ta modération. Merci Olive Twinsen pour les réglages. Effectivement, vous m'avez bien digué. Vous m'avez bien guidé au début pour le réglage la première demi-heure. Merci tout plein à vous. Merci pour les hébergements de chaîne. Vous avez relayé mon message, mon signal. Il est temps que je m'arrête pour la pause déjeuner. Merci Saul Goodman. Merci Aerostar. Merci à vous toutes et tous. J'espère que j'oublie personne. Pardon hein, si je me loupe dans les salutations et les remerciements d'usage. Et voilà, oui, on va faire. Oui, bon appétit à toutes et tous. Merci, FunFan, tu fais bien de le dire. Ah, il faut que mon OBS Streamlabs crache au moment où je fais les remerciements que j'allais passer mon pif en plein écran. Alors pourquoi, je sais pas. Mais voilà, comme quoi, faut que j'évite de manipuler le Streamlabs OBS. Et une fois que j'ai lancé, vaut mieux que je touche plus du tout et que je laisse partir en roue libre. Il faudra peut-être que je me programme des. Je sais pas si c'est possible sous Streamlabs OBS. De faire des touches programmées pour passer d'une scène à l'autre. Au moins que j'ai pas à manipuler l'interface et que je le viande pas. Je verrai ça plus tard. Voilà, donc on va pas tarder à passer chez Olive. Olive qui tue. Bisous, bisous tout plein. Bon app, à tout à l'heure. Je sais pas si le relais s'est fait. C'est une question de seconde, hein. Ça va se faire tout naturellement. Là, je vais lancer mon navigateur pour regarder Olive et l'écouter.
Oups là. Là, j'ai le reflet sur l'écran de... Ah. Ah, c'est dans le sens inverse. Hop là. Oui, il est... Ah oui, c'est bien.